Hé! Hé! Allô? Allô? Y a quelqu'un? Allô? Allô? À l'huile! Ah, bravo! On va discutailler un petit peu avant que le stream ne commence, n'est-ce pas? Pourquoi il y a des têtes de chien qui tournent dans un verre? Mais parce que nous, on aime les chiens. En vocal tout à l'heure, la petite voix qui coupait. Ah, coucou, Vivilouf. Vivil ouf, pardon. Vide le verre. Vous voulez que je vide le verre? On peut vider le verre. On va vider le verre alors. Vidons le verre. Clac, clac. Je vois plus le chat. Si, je peux toujours le voir sur le côté. Bonsoir à ceux qui arrivent. Il est où le verre? Cheers. Reset Cup. Boum! J'avais jamais vu l'animation. Excellent. Voilà, ça a giclé. Oh, il y a des trucs qui retombent, tiens. Ça a tellement giclé fort que ça retombe dedans. Attends. Non, le chien, tu vas t'en aller. Attends, 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 attends. Boum! C'est mortel, j'avais jamais vu ça. Ah là là, ça y est, le verre est vide. Le verre est vide. Bon, dans 1 minute 30, on va se lancer. Ah, Caro qui renvoie 3 têtes de chien, eh. Ah bah là, on peut pas les vider, hein. Ils sont legit, ceux-là. Ils sont pour ce soir. Si vous voulez vider ces têtes de chien, il va falloir envoyer des gros bits, là, hein. Attention, ne vous forcez pas. Les amis, attention. Et mais là, quand un nouveau Skyblock? Eh ben écoute, Maze. Je peux t'appeler Maze, ou tu veux que je t'appelle Maze Gerd? Parce que je sais pas comment prononcer ton pseudo. À quand un nouveau Skyblock? Je dirais très, 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 très bientôt. Est-ce qu'avant la fin du mois, il y en aura un nouveau? Ah, je ne sais pas. J'espère, mais c'est pas sûr. Merci Saucisse Lentille pour les 50 bits. Bon bah go le remplir du coup. Et merci Zoro pour les 10 bits. Voilà. Oh, il y a un chien qui se fait la malle. Non! Et il est parti. Comment ça va depuis hier? Bah, je suis toujours bien. Ouais, Neo Kera, il est mort hier justement. Parce qu'hier on était en stream sur Ragnablock. On a farmé un petit peu les chats. On a récupéré des saplings de tous les types de bois différents et on a tenté de tuer des oslos pour les décapiter, mais nous n'avons pas réussi à dropper leur tête. Demain, Pepperman? Un Skyblock demain? C'est malheureusement pas demain le Skyblock. Demain, c'est encore autre chose. Ah, vous êtes prêts ou pas? Moi, je suis prêt. Nightbot. Ah si, j'ai quand même des messages qui viennent. C'était hier, je crois qu'on avait parlé de savoir si j'avais installé des bots qui envoient des commandes tout le temps. Et si j'ai quand même Nightbot qui envoie les commandes. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé Moobot. Ce soir, après Enigmatica 2, je serai en vocal avec Bideo qui sera sur Ragnablock, donc je serai aussi un petit peu sur Ragnablock. Je lui poserai la question justement pour Moobot. Vers quelle heure cette autre chose? C'est-à-dire Fire Ghost. Ah, pour demain? C'est 14h30, je crois. Je peux te valider ce que je viens de te dire. Quatorze heures exactement. Voilà. Comment vas-tu ce soir? Perso, je vais bien, je commence un stage demain. Nice! Ça fait plaisir, ça. Commencer un stage, c'est vraiment. Ça va te changer la tête. Tu vas découvrir de nouvelles choses et ça, c'est génial. C'est génial. Alors pour savoir qu'est-ce qu'on fait ce soir, on va regarder les quêtes, voir comment on peut avancer. Il faut également qu'on fabrique les fameuses machines. Load. Voilà, merci. Il faut qu'on fasse les fameuses machines.
qu'on avait commencé à regarder la dernière fois. Donc on continue un petit peu à automatiser certaines choses. Poser les machines. D'ailleurs, j'aimerais bien regarder. Load game. Allô? Le jeu? Ah, ça lag un peu, hein, c'est le début. Ah, bah oui! Ah, bah oui! Bah oui! Attendez. Elles sont mes shurikens là. On va se les faire. Ok. Venez là, mes amis. Ah, mais si je les one shot aussi, ils vont pas venir. Attends. Vas-y, viens. Voilà. On va tous se les faire. Je passais juste me réabonner, mais Twitch ne veut pas visiblement. Ce sera mercredi du coup. Petit film avec ma chérie, du coup, rediff demain dans les transports. À plus. À plus tard, Pepperman. Et puis bon film avec ta chérie. Envahisseur à mort. Voilà, c'est comme ça qu'on traite les envahisseurs. Dans les jeux vidéo, attention. Ne mélangez pas tout. Voilà. Alors j'aimerais bien. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs qui tournent sur le PC qui font un petit peu chier. Déjà, je peux couper ça. Ça, je peux couper. Je l'ai coupé. Ah ok, c'est bon, c'est coupé. Ça me paraît pas mal. Ok. De toute façon, il faut le temps de charger un petit peu les zones, histoire d'être tranquille. Wow. Parce que tant que la zone n'est pas forcément bien chargée, c'est compliqué. Il y a un compress chicken. J'ai envie de me le faire. Voilà, tous ces chicken, c'est beau. Tous ces loot qu'on a là-dedans. C'est bon? Merci. Ça devrait être bon. Ah, ok. C'est quoi la constellation de l'astral qui te donne du haste? Je vais te montrer laquelle c'est. Je vais d'abord ranger ça dans la plaid. Touk, 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 touk. Oh là là, ça lag, hein. Ah, merci. Change les épées en or malgré que ça ne sert à rien. Voilà. Je vais réparer ça et je te montre tout de suite la constellation que j'utilise. Là-dedans. Non, clic, clic. Dans les perks, je suis comme ça. Alors pour te dire quelle constellation exacte j'utilise, je m'en souviens plus. Mais de souvenir, je crois qu'on avait utilisé celle-ci, l'Armara, il me semble. Mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Faudrait que les gens Comment? Me confirment ça en regardant les rediffs. Non, c'est pas du Skyblock. Actuellement, on va sortir, je vais te montrer. Allez, vol. Oh là là, c'est lag et quoi. Faudrait que j'enlève ça là-haut. Alors, on est sur un vrai monde ici. Et je suis dans un Rubik's Cube géant. Voilà où je suis actuellement. Quels sont les avantages d'un modpack Skyblock plutôt qu'un autre? C'est beaucoup moins gourmand en ressources. Tu gères toi-même le spawn de mobs. Donc c'est-à-dire que tu sais exactement quel bloc tu vas poser, etc. etc. Et du coup, de ce que j'ai pu voir, ma disquette de liquide glace est finie. Donc là, c'est full. On va pouvoir casser ça en attendant. Quoique je peux le laisser, ça. Ça devrait pas poser de problème. Mais ouais, ma disquette de liquide glace est terminée. Et ça, c'est chouette. C'est full. Donc, on a la machine qui a juste ici, qui sera toujours full de liquide glace. Voilà, parfait. Et on pourra lui apprendre tous les crafts qu'on veut. Avec plaisir. Tu fais quoi dans le dernier live exactement? Exactement? Descends. J'ai fait tout ça. J'ai automatisé tout ça. On a autocrafté les power cells. On a rajouté d'autres autocrafts aussi ici. On a installé les disquettes là. On a installé d'autres autocrafts par là-bas. Et puis on a installé ça pour stocker les liquides. Et du coup, j'aimerais récupérer tout le liquide là-dedans pour les rentrer dans les disquettes. Import bus fluide. Hop, 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 hop. J'espère que les lags vont s'arrêter, arriver à un moment, parce que c'est un peu chiant. Voilà. Et là, on va stocker tout ça là-dedans. Parfait. Comment vas-tu? Et bonsoir le live. Bonsoir à toi, Frindose.
pas me spoil Gorodif. Bonne rediff à toi. Je t'en prie, David. Genre dans 10 minutes, j'ai un petit truc à régler. J'ai pas eu le temps avant 21h. Ça, c'est la pause caca, ça. Il a pas eu le temps de faire caca, Zeroro, du coup, bah voilà. Alors, donc oui, ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il fallait qu'on se craft 4 fois cette structure. Oups. Faut qu'on se la craft 4 fois. Donc on a quand même pas mal de craft à faire. Il y a pas mal d'items d'ailleurs ici. Donc on a des item input, fluid input, item output. L'énergie va se mettre derrière, donc ça c'est plutôt pas mal pour les câbles. On a du vide juste derrière le machine gearbox. On a un machine controller et machine gearbox, tiens donc. Et on a un multi-tank de RF Tool. Ouh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dur à faire ça? Multi-tank, c'est sûr. Ouais, machine frame, ça va. Ça devrait être faisable. En toute finesse, ML. Bah écoute, l'homme a ses besoins. Faut bien faire, hein. Machine frame. Clic. 4. Du rubber. Le rubber. Va falloir faire du rubber. Il n'y avait pas un autre moyen de faire du rubber plastique, si. C'est quoi qu'utilise le rubber, du coup? Je suis curieux. Ici... Quelle machine utilise le rubber? C'est ça? Non, plastique. C'est peut-être ça. C'est qu'un B, rubber, ou pas? Non, ouais, c'est bien de B. Bah, je sais pas pourquoi il veut pas, parce que normalement, rubber et plastique, c'est la même chose. Faisant un pour voir. Ouais, il m'en demande 4 de ça, de rubber. Je sais plus pourquoi exactement il les veut. C'est peut-être pour les... ça, là. Machine, les basic machines. Fais voir. Basic machine... Rubber, c'est ça. Ok. Donc, advanced machine. On va changer ce craft. Clic, clic. Voilà. Advanced machine. Et là, du coup, si je lui en demande 1... Bon, ça change rien. Il faut que je lui en demande 4, de toute façon. Il me dit toujours qu'il manque du rubber. Alors ça, c'est chiant, quand même. Hein. Ça, c'est chiant. Merci, Toseb, pour ton 4e mois d'abonnement. Bonsoir, grand maître barbu. Je suis juste de passage. Je ne peux pas rester. Alors, bonne soirée. Et bonjour au mois du futur. Eh bien, bonjour à toi présent. Et bonne rediff à toi futur. Maxono, tu n'as rien raté du tout. La pause caca, c'est sacré. Exactement. Exactement. Des fois, ça fait du bien. Des fois, ça fait pas du bien. Mais on est obligé d'y passer. Donc, il me faut du rubber. Hein. Il me faut du rubber. Faut que je passe le sticky résine. Donc, ouais, on va se faire du rubber wood. Hein. Et passer ça dans l'extracteur. L'extracteur, je l'ai pas branché ça. Hein. Non. Speed upgrade, on n'a pas. Donc, rubber. On va aller à l'extérieur et puis on va planter ça. Il faudrait que je le farm, ce truc-là. On le farmera quand on aura les machines de Industrial Foregoing. Ça devrait pas tarder d'ailleurs pour les machines d'Industrial Foregoing, mais bon. Ok. Tu vas te mettre là. Parfait. Je peux faire ça. Doucement. Doucement. Oh là là. Cette violence. Merci Blue Sind pour les 6 bits. Bonsoir Amel et bonsoir le chat. Bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Ma hache. Ma hache. On va prendre celle-ci. Mais trop de puissance. J'en ai marre de casser le sol. On va s'arrêter. Ok, et on va arrêter de viser là où il y a le sol, d'accord? Voilà. Mieux. Et Rinzuka qui envoie 40 bits. Bon live à tous, merci beaucoup, tu remplis le verre là. Et merci encore une fois Rinzuka pour les 5 derniers bits que tu envoies. T'as la hache de feu aussi. Je suis pas sûr que si je brûle ça, ça me donne... ce que je veux, je vais quand même voir, mais je ne pense pas. Hein.
Ça me fait rien du tout. Alors l'avantage que je vois, c'est que je récupère du résine comme ça aussi. Mais on va... On peut. Ok. Bim. Tiens, je vais faire ça. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah, oh, mais ça suffit de claquer les feuilles, là. Ah, ça, ça veut pas pousser. Ça, ça peut. Ça, ça poussera pas. Allez. Alors, on y croit. Tac. Bon, c'est un peu chiant, mais tant pis. Ça fait le taf. Merci, Storm Reaper, pour les 5 mois. Et un mois d'abonnement en plus pour le roi des barbus. Ma copine adore Minecraft et elle essaie de suivre tes rediffs. Et elle a commencé avec ton aventure Candycraft. Ah, Candycraft, il était vraiment sympa comme mode. Hein. En plus, ce qu'il faut savoir avec Candycraft, c'est que c'est un Français qui a fait ce mode. Et j'ai pu avoir contact avec ce Français pendant un moment où on a un peu joué ensemble. Je l'ai aidé un peu aussi à trouver des idées pour améliorer son modpack. Son mode, du coup, parce que c'est pas un modpack. Malheureusement, il a dû laisser tomber parce que ça prenait trop de temps et la mise à jour des mods pour passer de la 1.8 à la 1.10, je crois, ou de la 1.9, je ne sais plus, ça l'avait gonflé. Touk. Alors, bah écoutez, l'extracteur a sa place toute promise ici. Nous allons chouraver les overclock upgrade ici, qu'on va mettre là, et ça, je vais le prendre. Je vais te le donner. Et c'est parti. J'entends un zombie. Il est où? Est-ce qu'il serait pas derrière? Ah, où? Il est là. F7. Il a spawné où? Où est-ce qu'il a spawné? Ah, ici. Il y a un spot. Il a spawné sur ce spot, quoi. Pirlip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 
Merci Chris pour les 15 bits. Salut ML, comment tu vas? Tu nous prévois quoi ce soir? Ce soir, on va installer 4 fois cette machine. Donc là, j'ai crafté un item que je ne connaissais pas. C'était le multi-tank. Il faut qu'on regarde le machine gearbox. Il n'est pas trop chiant à faire. Modular. Voilà. Donc le gearbox. Il faut juste un vibrant biométal. Bimetal gear. 4 vibrants à l'œil. Ouais, ça va. J'en ai déjà 2. Parfait. On va mettre ça en bas. T'as déjà du cryo? Pas encore, je pense pas, mais on devrait pouvoir le crafter sans aucun problème. Et évidemment, j'ai tous checké, c'est celui-là, quoi. Perfect. Non, les murs en stone brick vont changer au bout d'un moment. Il y a pas mal de choses dans la base qui vont changer au fur et à mesure. Oh, ça c'est vide, c'est bon, on va pouvoir récupérer ça. Donc on a de l'essence là-dedans. Si on peut, il faut qu'on pense à faire une ferme à mob auto pour récupérer du mob essence, d'accord? Parce qu'il faut absolument qu'on ait du mob essence. À quoi va servir cette machine? Alors cette machine, c'est l'Advanced Carpenter qui va me permettre de crafter du Wyvern Core plus tard, ce sera pas pour tout de suite. Évidemment le Draconic Energy Core, toutes les disques comme ça, ça on le fera à part. Mais je vais pouvoir automatiser les overclocks, faut que je fasse les tier 6. On a dans ce cas de plus important ça, l'Ardennet Casing. On a également quelques circuit boards à automatiser. Nous avons les Impregnated Casing avec du Seed Oil. Les sticks, très important également, les sticks avec le seed oil, ça c'est obligatoire, et puis voilà. Donc on a quelques petites choses à automatiser. On avait calculé la dernière fois qu'il nous en fallait 4 pour être tranquille. Donc on va faire les 4. Allô le jeu? Le jeu a décidé que non. Bon, le premier épisode de Enigmatica 2 Expert, le mode pack consiste en quoi? À faire toutes les quêtes. Les mod packs que je récupère pour les faire en stream, généralement sont des mod packs à faire avec des quêtes pour que je puisse faire les quêtes. Et plus on avance, plus je découvre des nouveaux mods que j'utilise pas de base. Le jeu a complètement planté, il a freeze le truc. Ah, ça y est. Tu mets ton spike en diams sur ta ferme à mob que tu as déjà, non? Non, parce qu'il faut que j'utilise le mob grinder pour récupérer du mob essence. Bonsoir, Equité. Iru. Alors. C'est bon, ça a fini de tout laguer, là. Très bien. Donc, le gearbox. Il nous faut des machines casing et il nous faut un iridium rod. Donc, il me faut un iridium ingot. Je crois que j'en ai de ça. Ouais, j'en ai. Il m'en faut combien? 4, hein. Ah non, 2. 2. 2, 2, 2, 2, 2. Aujourd'hui, Monster Dew, on compte faire la grosse machine, celle-ci, en 4 fois, parce qu'on a besoin de 4 fois. Bon, ça, c'est les plaques. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Perfect. Trop chou, le mug tomate. C'est un mug M&M's. C'est pas mug tomate. Oui, il freeze souvent le jeu, mais ça c'est la 1.12, hein, c'est... Hélas, même en vanilla, des fois ça freeze comme ça. Hein. Ok, donc du coup, machine, il va m'en falloir 12. Go. Re, j'ai craché. Re à toi. Pour le stockage d'énergie, tu ferais celui de Draconic... Tu feras celui de Draconic Evolution, évidemment. Quand on y sera, Draconic Evolution, oui, je ferai la méga grosse boule. Et du coup, on a une place toute dédiée là-haut, je pense. En tout cas, j'espère qu'on aura la place ici. Auquel cas, on lui trouvera une place, il n'y a pas de problème. Les gearbox, boum, on a les 4. Donc là, on est bien. Ensuite, alors, le total de machine casing, on calculera le nombre après. Je m'occupe d'abord de cela. Merci, merci, Ruskov, pardon, pour les 15 bits. Tu penses faire des tutos sur les add-ons Applied? Je pense...
en faire. Le truc, c'est que ça fait un moment que je me suis pas remis sur les tutos d'Applied que j'avais commencé à faire. Mais il faudrait vraiment que je les fasse, ces tutos sur les add-ons. Que je me remette vraiment dans l'esprit tutoriel. Que je redessine mes tutos et qu'on fasse ça. On peut faire un rush de quêtes. On pourra essayer après, une fois que j'aurai fait les 4, si tu veux. Une fois que j'ai fait les 4 machines, on fait un rush de quêtes. Donc, normal input. Ils sont là. Il m'en faut 4. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et enfin, énergie. C'est parti. Eh ben, dis donc. Il a du boulot à faire. Hein. Il a du taf. Mais c'est bien. Faut qu'on automatise ça aussi. Hein. Parce que pour l'instant, ça, on l'a pas automatisé. Et il faudrait, comme j'avais dit la dernière fois, qu'on utilise les Phantom Face. Qui sont très sympas. Je sais pas si j'en ai dedans. C'est ça qu'il me faut. Phantom Face. Et il faut que je crafte ça. Phantom Connector, ça va, il est pas compliqué à faire. On le fait tout de suite, comme ça ce sera fait. Est-ce que ça, je peux par hasard le faire? Non. On s'en occupera après de ça. Hein. Il n'y a pas des choses là-dedans que je peux dégager qui me servent à rien. Les élévateurs, on va les ranger pour le moment. Le Smart Wrench aussi. Climbing Glove, maintenant que je peux voler, ça me sert plus à rien. L'appel. Diamond Chisel de Chisel and Bits. On ne s'en servira pas. Je pourrais ranger ma hache. Ranger ça là-dedans. Trash Chest, je peux le dégager. Manufactorial, on l'avait déjà fait. D'ailleurs, on m'avait posé la question si je l'avais fait. Ah, là-dedans, j'ai d'autres stuff. Ah, bah, elle était là, ma cuisine. Il n'y a pas de sink. Hein. J'avais pas fait le sink. Ma cuisine que j'ai absolument pas posée. Hein. Oui, je vais ranger ça. Merci Chris pour les 4 bits. Petite question, les mods packs que tu fais en stream sont plus durs que ceux que tu fais en vidéo? Pas forcément, tu regardes Awakening, il est quand même assez chiant à faire en vidéo. Donc non, c'est pas obligatoire. Alors on a ça. Le hic, c'est qu'il va falloir qu'on améliore les énergies input. Et pour les améliorer, il nous faut des énergies laser. Ouais, c'est ça, avec les sticks là. Je vais aller chercher les sticks. Je crois que j'en ai encore là-bas. Oui, avec le normal, oui, il faut que je les améliore, clairement. Ouais, c'est parce que t'as plus d'énergie, toi. Power Cell, Advanced, next, go. Power Cell, next, go. Pendant qu'il fait le Power Cell, je vais récupérer les données ici. Alors normalement, ouais, le Power Cell, il est là. Link. Et j'y pensais l'autre jour, mais je pense que je vais... au niveau de la réception d'énergie pour les machines, je vais entièrement passer par les Power Cells. Donc tout ce que j'avais fait avec Applied, avec les P2P et RF, je pense que ça va partir. Hein. On va mettre ça là. On met ça là, out. Ouais, c'est ça, il lui manquait du RF. Ok. C'est con que je m'en suis pas rendu compte avant. Seed. Oup. Bon, ça devrait être suffisant pour l'instant. C'est quoi toutes ces têtes de singe que tu m'envoies? T'es fou? Eh, petite question, quel bloc je pourrais utiliser pour aspirer un certain item de bloc? Un certain type de bloc. Filter, modpack, Infinity, Evolve. Ouais, vu que je l'ai pas fait le modpack, je sais pas exactement qu'est-ce que tu peux avoir comme, comme item pour absorber les items. Je sais que si tu as Botania, tu peux utiliser le Hopper Hook. Tu le poses sur une petite parcelle de terre. Donc il faut que tu fasses en sorte que ta fleur elle flotte. Tu la poses sur un chest avec un item frame plus l'item que tu veux récupérer dans l'item frame. Et tu es censé le récupérer. Et ça passe à travers les murs aussi. Hein. J'aimerais regarder si le laser... j'en ai deux, mais... Ah, il a automatisé le laser. Ok. Ça veut dire que j'ai automatisé tout ça? Oui. Nice, j'avais pas fait attention. Ok. Est-ce que j'avais...
mis un filtre pour un autre laser. Non. Il faut qu'on fasse en sorte de changer ça, parce que je sais que ça, on peut aller en Advanced, et on peut aller en Extrême. Et c'est en Extrême que j'ai besoin d'aller. Donc, on va lui apprendre tout ça, évidemment. Donc, Advanced. Hop, on récupère. Et enfin, Extrême. Voilà. Vacuum Chase Under Rio. Ah bah voilà. Marche bien aussi celui-là. Énergie laser. J'ai quand même envie de... Ouais non, je vais pas les automatiser ces trucs-là, ça sert à rien. J'ai juste lui en demander 100. Empowered Lapis. Palisse, pardon. Ouais, ça, il va absolument falloir que je l'automatise. Ça, ça va devenir une urgence. Parce que pour automatiser ça... Ok. On a ce craft-là. Ce craft-là, il est bien parce qu'il est super rapide par rapport à ça. Mais il faut qu'on fasse ça aussi. Dense Lapis, Lazuli Plate. Blue Slime. Blue Slime, je sais plus s'il y avait un moyen d'en avoir plus. Je crois pas qu'il y avait un moyen d'en avoir plus. Blue. J'ai que 3 blocs. Ouh, merci Truel pour les 1100 bits. Bonsoir Amel, un plaisir de te voir en live. Pour une fois, j'arrive depuis le début, ou presque. Bon live, je retourne à mon ombre silencieuse. Merci beaucoup à toi pour les 1100 bits. Et c'était une belle transition pour retourner dans l'ombre, parce que tu as explosé le verre. Il y en a encore un peu dedans, mais merci beaucoup pour les 1100 bits. C'est vraiment beaucoup. Je crois pas qu'avec le compacting drawer, ça fonctionne, le blue slime. On va essayer, mais je crois pas que ça fonctionne de la même manière. Parce qu'autant on peut récupérer des petits slimes, blue slime, c'est pas du tout la même chose. Hein. On va voir. Si je mets le blue slime... Ah si, il a le même... Ok, il a la même chose avec ça. Ok, bah ça on va l'automatiser, il n'y a pas de problème mon ami. Ok. J'avais pas fait attention qu'on pouvait les avoir de la même manière que les pink slime. Je pensais que les pink slime étaient vraiment à part. Merci David pour ton abonnement Twitch Prime. Merci beaucoup. Pour les crafts des lasers, il y a des trucs qui ressemblent à des bobines de fil RF. Bah la blanche, tu l'as en double dans tes autocrafts. Ah bon? Donc je regarde. Effectivement. Oula. Effectivement, ça j'ai en double et ça j'ai en double. Merci. J'avais pas fait gaffe. Ça, c'est très important de ne pas les avoir en double parce que ça peut faire des conflits. Hein, donc, merci de me l'avoir dit. Donc ça... Allez, enlève-toi. Posez-la pour l'instant. On va remettre un compacting drawer avec Slime Ball bleu. On lock. On reprend toutes les Slime Balls. Et on est d'accord que si je lui demande du Slime Block comme ça, genre j'en prends 10... Et que je lui donne, je récupère du slime ball bleu. Ouais, c'est bon. Bon, bah, j'ai juste à lui créer un autocraft ici et c'est bon. Hein. J'en ai juste besoin d'un. Et un filtreur. Merci F pour les 10 bits. Bonjour tout le monde et désolé pour le retard, j'ai loupé quelque chose d'important. Non, on n'a pas fait grand chose de très important. Hop, hop, hop. Voilà. Avec grand plaisir. Ah mais c'est important quand même. Alors. Un slime block. Ça va me donner 9 slime bleu. Ok, donc slime bleu, il n'y a pas de problème pour en avoir. Et après le slime bleu, on va lui demander
de les faire en bloc. Voilà. Bah, du coup, c'est peut-être l'occasion d'essayer d'automatiser ce qu'on a derrière. Voir si c'est jouable. Donc, on va voir si on peut se faire des Phantom Face. Ok. Il va me falloir des blocs of Ender Pearl. Bon, ça, c'est easy. Hein. Merci, The Vautour, pour ton abonnement Twitch Prime. Bienvenue. Et merci d'utiliser Twitch Prime. Hop. On balance le stack. Du coup, il nous faut des Advanced Coil. Ça, on l'a fait. On en a 5 à faire. Parfait. Advanced, enfin Phantom Face. 4 A. Diamantine. Voilà. Alors, ça va être rigolo parce que je me suis jamais servi des Phantom Face. Donc j'espère... Oh, puis c'était une quête en plus. J'espère pouvoir savoir m'en servir. Ok, très bien. Chimthrower turret. Chimthrower turret. Ah oui, c'est un lance-flamme. Ok. Très bien. Zero, c'était pas grave hein, s'il avait dit putain tu viens de déclencher ça. À mon avis, il devait pas dire ça juste pour m'embêter. Hein. C'est juste que j'ai dû parler fort. J'y comprends absolument rien au modé. Je te rassure, Oneos, au tout début quand j'ai commencé le modé, j'y comprenais rien non plus. Mais à force de regarder des vidéos, des tutos, etc., on apprend à s'en servir. On apprend à s'en servir. Alors, on va prendre un interface. Et on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Sinon, ça va ici? Bah, ça va, ça va. Non, une fois qu'un message est supprimé, on peut pas l'annuler, la suppression. Mais c'est pas grave. Ça fait combien de temps que tu fais du modé? Déjà, The Rodrigo, qu'est-ce qui est prévu de soir? On va crafter ça. 4 fois, mais là, je vais automatiser ça. Et le modé, j'ai commencé en 2014, je crois, en 1.6 de souvenirs. Donc ça commence à remonter. Alors Phantom Face, ici on a, ouais, on a une machine ici, je vais peut-être mettre ça là. On peut directement le connecter là d'ailleurs, ça dérange pas. Et il va falloir qu'on installe les 5. Évidemment. Bon, on va le mettre là, celui-là, hein, ça devrait pas déranger. Alors la range, c'est 16 blocs, donc normalement ça devrait pas trop poser de problème. Et donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse shift, clic droit. Clic droit. Non. Shift, clic droit. Clic droit. Voilà, il est connecté, donc c'est 2 shift. Ok. Donc là, on a perdu la connexion. Donc on va faire shift, clic droit. Et shift, clic droit pour celui-là. Ok. Shift, clic droit ici. Shift, clic droit là. Shift, clic droit là. Et shift, clic droit ici. Et du coup, pour le milieu, shift, clic droit. Shift, clic droit. Donc voilà. Celui du bas, ce sera pour l'item du milieu à mettre. Ça fait des petites particules, mais bon, ça me va. Et une fois que cet item sera terminé, il faudra qu'on l'extrait en dessous. Et je pense qu'on va l'extraire, on va faire suivre les câbles et ça va se reconnecter là. Il va falloir qu'on ait un chest. Skystone chest, ça devrait faire l'affaire. Hop. Ok. Avarine, je peux dire que tu vas en bas. Ok. Une fois que tous les items vont être là-dedans, il va falloir qu'on les filtre et qu'on les mette sur ces blocs-là. Hein. Donc, conduit. Pourrais-tu me montrer comment tu as fait pour automatiser l'utilisation de l'uranium dans ton extrême réacteur? Je te montre ça. Une fois que j'ai terminé ça, je te montre ça si tu veux, ouais.
Bon, conduit déjà. Hop. Filture. Il en faut 5. Clac. Clac. Ok. Insertion. On met un filtre ici. Oh, il en a mis 2. C'est pas bon. Insertion, filtre. Insertion, filtre. Insertion, filtre. Et enfin, insertion, filtre. Et ici, ça va être de l'extraction. Et pour automatiser le palisse, parce qu'on va d'abord automatiser le palisse. Mais je pense qu'au niveau des filtres, il faudra peut-être que je mette un plus gros filtreur après. Hein. Je vais regarder tout de suite le plus gros filtreur. Peut-être que ce sera une meilleure idée. Filter. L'advanced. Ah, il me faut un Z logique. Donc il me faut un slice and splice que j'ai pas tout de suite. On verra plus tard du coup. Donc pour un empower la palisse, pardon, il nous faut palisse cristal. Donc il faut que j'automatise ça. On va d'abord commencer par ça. Je vais directement automatiser les blocs. Ce sera plus simple. Donc la pisse. Ouais, je vais balancer ça déjà. Ah, il veut pas. Ok. Je pensais qu'il allait pouvoir, mais non. Allez, go. Merci. Calme-toi, calme-toi. Ok. Donc ça va être un bloc de lapis pour faire ça, et ça on va le récupérer là-dedans. Ok. Et ça, ouais, il faudrait peut-être que je le mette directement en mode... Quoique... Ouais non, je vais laisser en bloc. C'est très bien. Faut juste que je lui apprenne à décrafter ça du coup. Et que je lui dise que un bloc de lapis, ça te donne un bloc comme ça. Et Restonia, je vais plus lui apprendre... à faire les blocs plutôt que les items séparés. Ok, du coup, redstone, un bloc de redstone, ça me donne un bloc de ça. Ok. C'est parti. Donc on va enlever celui-là pour mettre celui-là et celui-là. Là, on va filtrer ça à la place. Donc là, je peux retirer. Ça, je peux le décaler. Ok, je peux rebalancer ça là-dedans. Bonsoir à ceux qui arrivent. Il est encore plus gros que les Advanced. Celui avec la tête de Shulker, c'est vrai? Celui-là? Advanced Big Item Filter. Ouh. D'accord, je connaissais pas. Ça, c'est bon à savoir aussi. Merci. Alors, on va mettre ça là-dedans. Voilà. Ça, je le remets ici. Ça, ça peut dégager. Ça, ça peut dégager. Donc, normalement, si je lui demande un empower de palisse, enfin, un palisse, tout simplement. Donc là, je lui en veux, 20. Voilà. Parfait. Et il m'a fait les 20. Et ils arrivent. Donc, on est parti. Palisse. Hop. Il me faut au moins un bloc pour lui dire que ça va se crafter comme ça. Donc je vais lui apprendre à décrafter le bloc, déjà premièrement. Et là je vais lui apprendre à faire le bloc. Donc pour avoir le bloc de palisse, il va me falloir, enfin d'empower de la palisse, il va me falloir un bloc de palisse que je vais garder sur moi du coup. Ok. Il va me falloir du saphir. Saphir que je peux crafter autant que je veux, donc là-dessus c'est pas un problème. Hop, on va garder ça. Il va me falloir du blue slime. Blue slime qu'on a automatisé, donc c'est bon. Il va me falloir un cobalt. Cobalt que je peux crafter, donc pas de problème. Tac, tac. Et enfin, il va me falloir un dense lapis lazuli. Et ça, faut que je l'automatise aussi. T'as pas filtré les blocs bleus? Si, si, j'ai filtré les blocs bleus. Donc il me faut un lapis dans le compactor.
Ou alors dans le compresseur. Il faut que je crush le lapis d'abord. C'est ça, hein. Ouais. Ok. Je vais mettre ce craft-là de côté pour l'instant. Lapis lazuli. On va lui apprendre que un de lapis, ça me donne une poudre de lapis. Et on va le mettre... Alors j'ai le crusher ou alors j'ai normalement le macérator. Hein. Le macérator, il n'a pas d'upgrade. Ah. Alors, je vais peut-être pas le mettre dans le macérator tout de suite. On va l'automatiser dans le crusher, je pense, qui est là. Ouais. Ok. Ça fera le taf. Applied, c'est la vie, complètement. Tac. Hop, ça c'est bon. Et enfin, un de poudre. Bah écoute, ça va me donner, normalement, dans le compresseur. Je l'ai pas récupéré, on ira le récupérer après. Je te mets ce craft là ici. Voilà, ça me donne un de la piste comme ça. Ok. Et du coup, 9 comme ceci. On est d'accord, c'est bien 9 hein, dans le compresseur pour avoir le dense lapis compresseur. Ok. Donc il est là, ici, compresseur. Pouf. Lapis. Hop. Je vais le mettre directement dedans. T'as les upgrades? Ouais, c'est bon. Hop. 9. Et c'est dans le compresseur qui est... Bah c'est lui en fait. Voilà. Refine Storage est différent, mais c'est vrai qu'il est bien aussi Refine Storage. Hop là, voilà. Donc ça on l'a, on va le remettre là-bas. Compresseur. Hop. Clic. Et si on reprend le craft qu'on avait commencé là, on peut lui dire que maintenant avec un Dense Lapis, on est bon pour avoir ce craft là. Et du coup ce craft là est correct. Ça je peux dégager. Ça c'est le bloc pour remettre les items, donc c'est très bien. Ok. On descend, ici on lui apprend ce craft là, et maintenant il faut qu'on filtre tout ça. Donc on va filtrer ça. Ici, on va filtrer ça. Ici, on va filtrer ça. Là. Ça. Et enfin, au milieu. Ça. On peut retirer celui-là. Voilà. En théorie, c'est bon. Oups, je peux pas remonter par ici. Je vais remonter par là. Du coup, on va voir si ça marche. Fais-moi en 1. Ah, si, ça y est. Ça a mis un peu de temps, mais ça y est. Voilà, là, maintenant que c'est crafté, il va falloir qu'on lui dise d'aller le récupérer. Clic. Et donc là, on va faire ça. On va faire extraction. Je sais pas s'il faut que je mette un filtre sur l'extraction. Pour l'instant, je vais pas en mettre. Mais en gros, lui, il va retourner là-bas. Voilà. Insertion. Et là, il me l'a retiré. Alors, on va tester de refaire un pour voir s'il me retire le bloc qu'il va mettre au milieu ou pas. Non, il me retire pas le bug du milieu. Il attend qu'il soit crafté pour aller le récupérer. C'est juste que c'est pas une machine très rapide. Voilà, il l'a crafté et là on le récupère dans la plate. Très bien. On a terminé d'automatiser ça, donc ça c'est bien. Du coup, je peux lui demander 10, il va décrafter deux blocs pour récupérer ça. Parfait. Donc là, on est bien. Du coup, on voulait faire quoi de base pour qu'on aille jusque là? C'était les machines, ouais. J'avais dit d'en faire 100. C'est ça, et c'était ça qui manquait. Mais du coup, il les a maintenant, donc il peut le crafter. Poum, poum, poum. On va ranger ça là-dedans.
Applied connaît le craft du bloc de lapis. Non, je crois pas. Je vais regarder. Non, il connaît pas, donc bonne suggestion de craft. Voilà. Merci F pour les 3 bits, GG pour cette automatisation tordue. Alors je l'avais déjà vu sur une vidéo, donc c'est vrai que pour le coup ça a été plutôt rapide. En tout cas c'est mes souvenirs qui m'ont fait rappeler un petit peu de la façon dont fonctionnaient les Phantom Face. Mais c'est la première fois de ma vie que je m'en sers et c'est vraiment très pratique. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait du style, il fait du silicone. Ok. Salut Gory TV. Invoquer Gemball. C'est quoi Gemball? Ok, il est en train de les crafter. D'ailleurs, Modular Machinery, j'ai un peu gueulé l'autre jour sur ce mode. Parce qu'en fin de compte, la façon dont c'est fait, si on regarde par exemple au niveau de ce schéma, ils me disent qu'il faut que je les mette ici dans cet ordre-là. Mais je peux pas les mettre là, je peux pas les mettre là. Il y a vraiment un ordre précis à les poser. J'en ai parlé un petit peu à Alkazim. Et Alkazim me disait que c'était vraiment un mode qui était génial. Parce que ça te permet de créer tes propres machines, mais genre tes machines custom à toi. Et avoir des crafts custom de ce que tu veux là-dedans. Du coup, sachez que quand on fera un nouveau Ragnar mod avec un mode hardcore, parce qu'on compte le faire, je sais pas quand, par contre, on va utiliser, je pense, Modular Machinery pour faire des crafts monstrueux. Merci Bideo pour ton 15e mois et bim, 15 mois. Y'a quoi là, Bideo qui cherche la merde. Tu as changé les crafts de la Restonia pour faire direct le bloc et pas les Nori. Mais pas les Nori. J'avais fait les Nori là-bas. Je me souviens même plus. Oui, bah oui, faut changer les Nori aussi. Tu as bien raison. Il a fait les 100. On va d'abord s'occuper de les Nori. Un bloc d'iron, ça me donne un bloc des Nori. Et Nori, et Nori, et Nori. Enori, tiri tiri. Voilà, ça me donne un bloc d'Enori. Enori Crystal Block. Il connaissait déjà le craft. C'est ça, ok, très bien. Sauf que ce craft-là, il va falloir que je lui retire. Enori, tu modular assembleur? Moléculaire assembleur. Putain, j'ai du mal à lire. Oh là là. Ça va pas bien ce soir. Hein. Ok, et du coup, un Enori. Ça vient de ça. Ok, là, c'est bon. Alors, il est où le trou que j'ai fait? Alors, par contre, quand on va faire le modpack, le prochain... Enfin, quand on fera un modpack hardcore, on essaiera de faire en sorte que ce soit vraiment bien équilibré. Hein, il y aura du grind, mais ce sera pas non plus un truc de baiser, j'ai envie de dire. Coucou ML, désolé du retard, j'ai maté un live sur GTA RP. D'accord, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Hop, on enlève ça et on met ça à la place. Voilà. Du coup, bienvenue. Bonjour Monsieur VK. Donc ça c'est good. On a nos 100 blocs de machines. Voilà. Et là ce qu'on voulait faire c'était améliorer ça. Hein. Il faut qu'on le mette en Reinforced Energy Input. Pour ça il va nous falloir des énergies laser. On a combien des énergies laser? Il nous en faut 3 autres. Alors vas-y, 3 autres. Voilà, ici il va nous falloir c'est l'Advanced. Donc l'Advanced il va nous en falloir 3 autres aussi.
Empower Denori. Tiens. Voilà. Je ferai peut-être un tri là-dedans pour que je m'y repère un peu plus, parce que là, pour le coup... Leather. Voilà. Applied connaît le craft du bloc d'iron et de redstone. Je sais pas, il faudrait que je regarde, du coup. Alors, clac, on a les 4 big. Et du coup, il va nous falloir les extreme. Ah, diamantine. Diamantine, ok. Donc redstone block, on va regarder. Il connaît et iron block, il connaît pas. Donc on va lui apprendre l'iron block. Voilà. Merci. J'avoue que pour le coup, j'y ai pas fait attention. Il y a un autre craft d'Enori. Oh là là, je fais n'importe quoi. Il faut que je regarde ça. Vas-y, craft ça. Enori. Non, là c'est Enori classique et là c'est l'Empowered. Donc non, c'est bon. Et bim. Ok, donc là on a les huge energy input. Et il n'y a pas de tir au-dessus. On va probablement faire la même chose pour les fluides. Parce que les fluides, on avait vu que la dernière fois il nous manquait du fluide. Donc on va améliorer le fluide. Tout de suite. Et il nous faut les fluides laser. Fluide laser, c'est que du fluide laser qui demande. Hein. Ok. Et pour avoir du fluide laser, c'est... Oups. C'est juste ça là-dedans. Donc il va nous en falloir. 2. Ok, tu m'en fais 4 d'un coup. C'est bien. Clac. Et encore une fois. Une fois, pardon. Ok. On va crafter ça. Bonne rediff à toi, Darkfire. Calme-toi. Hop. Voilà. Non ! Vas-y. Voilà. On recommence. Voilà. Il faudra aussi également upgrade les items pour avoir 9 slots, je pense. Du peu que j'ai pu voir, il n'y a pas énormément de craft qu'on a besoin avec 9 slots. La plupart du temps, c'est 6. Donc, je pense pas que ce soit utile d'augmenter les items input. Au niveau du fluide non plus, je pense que ce sera pas forcément utile, mais bah, je l'ai fait, donc on va le faire. Comme ça, ce sera fait. Fluide. Hop, hop. Voilà, huge. Et le reste, normalement, on n'a pas besoin. Du moins, je ne pense pas. Bon, on a 4 de tout ça. Ce qui va nous coûter bonbon aussi, c'est le machine controller. Parce que le machine controller, on se rappelle... Oula, j'écris n'importe quoi. Machine controller, on ne l'a pas automatisé. Tout simplement parce que ça demande un ME controller. Ouais. Donc ça, control circuit board 1. Fuck. J'ai pas les élites contrôle. Est-ce que je peux automatiser les élites contrôle? Tiens, enlève ça de là-dedans. Voilà. Go. Est-ce que les advanced y connaît? Non. Donc, go. Est-ce que les basiques y connaît? Je pense qu'il connaît les basiques. Il connaît les basiques. Il connaît les Enrich Alloy. Donc ouais, c'est pas un problème. Et du coup... Faut que je regarde si ici il y a des choses qu'il connaît. Renforcé d'alloy. Il connaît pas le renforcé d'alloy. Parce que je crois qu'on n'a pas encore automatisé le fait de ramener du diamant. On a juste automatisé le fait de ramener de la redstone. Merci Chris pour les 20 bits. Tout ça pour ce satané machine. Wow, t'as une sacrée patience. Bah c'est les machines hardcore, donc c'est vrai que ça prend un peu de temps. Mais après, une fois que tout est automatisé, ça va tellement vite que bon, c'est easy quoi.
Alors, élite. Il faudrait un de plus pour en avoir un deuxième. Et là, maintenant, il va me... Ouh, c'est quoi qu'il manque en dessous? Copper Coil Bloc. Je sais que le Copper Coil Bloc, il est super chiant à faire. Là, alors, Coil, fais voir si tu l'as pas celui-là. C'est le LV Wire. Non. Donc ça, tu peux... Il connaît le Copper Wire, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et enfin, on va te demander de faire ça. Tiens, hop. Je disais donc, on va te demander de faire ça. Voilà. Donc là, ça devrait être assez rapide pour le crafter, ce truc-là. Il m'en faut un... 3. Ok. Et du coup, les élites, il m'en faut 8. Voilà. Vas-y, pose-les. Voilà, voilà, merci. Ok, j'ai les 4. On peut les remettre là-dedans. Il va nous falloir maintenant les énergies acceptator. Donc il va nous falloir des câbles et engineer. Ah. 4, cable. Voilà, ça sera fait. Bonsoir Melju, je voulais savoir si une affiche du film Venom te ferait envie. Franchement, si c'est la tête de Venom, en mode badass, carrément, ouais, carrément. Après, je sais pas où je pourrais la mettre, mais carrément, ce serait chouette. Energy Acceptator. Oh. Hop, il va en faire 4, donc c'est très bien. Hop. Est-ce que des vacuum tubes, il y en aura assez? Non. ML Docraft, le ME contrôleur, comme ça, tu seras tranquille. C'est ce que je me dis, mais le problème, c'est que le ME contrôleur, si tu veux, je vais pas m'en servir des tonnes. J'ai déjà tous les ME contrôleurs d'installer sur mon applet, j'en aurais pas besoin ailleurs. Et là, actuellement, les machines que je me sers, on va pas en crafter 50 000. Donc à moins, je vais regarder, à moins que le ME contrôleur me serve pour autre chose. Ah, neutron collector. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée du coup d'automatiser le ME contrôleur. En fin de compte. Je pense qu'on l'automatisera la prochaine fois qu'il faudra qu'on fasse une machine. Ah du coup il nous manque juste les machine case. Go. Où as-tu acheté ta casquette? Je l'ai acheté sur Rockagogo. Normalement, tu tapes Rockagogo sur Google, tu devrais trouver la boutique tout de suite. Hein. Très très bonne boutique d'ailleurs. J'achetais déjà des vêtements et des accessoires gothiques quand j'étais dans ma période adolescente. Fuck le monde, fuck tout, anarchiste, blablabla quoi. Voilà, on a les 4 ME contrôleurs, hein, c'est ce qu'il nous fallait. Et les Enhanced Circuit Board. Donc, bronze et redstone. Un, deux, trois, quatre. Merci, Mariok. Mario. Mariok. Pour les 1000 bits, qui du coup fait jaillir le verre, comme jamais. Merci beaucoup, c'est très gentil. 1000 bits quand même. C'est pas rien. Ah oui, il est vieux le site. J'ai acheté quelques t-shirts moi aussi. Ah voilà, tu vois. C'est un vieux site, mais il est vraiment chouette. Hein. Redstone. Ya, redstone. Redstone. Bucket. Give me my bucket. Voilà. Pourquoi j'ai jamais la motivation de faire un gros modpack? Peut-être que si tu le fais avec des potes, avec des amis, peut-être que tu pourrais trouver la motivation. Hein. Après, c'est vrai qu'il faut trouver les amis pour faire le modpack. Du coup, il faut de l'eau, toi.
Très bien. Ça utilise combien de water? C'est 2000, hein? Non, 1000. Ok, très bien. J'en ai mis trop de l'eau, mais c'est pas grave. Tu comptes super bien. Non, ça va. Ça m'arrive que des soirs, je compte vraiment comme un cul et qu'on me dise « ML, tu sais pas compter, retourne à l'école. T'es nul, zéro. » ML, t'as déjà fait la Twilight? Je vois qu'il y a un portail. On l'a crafté, le portail, on l'a posé, on est allé une fois dedans, mais on l'a jamais fait la Twilight. Donc non, j'ai pas fait la Twilight. Peut-être qu'un soir, si au bout d'un moment, il y a énormément d'autocraft qui tournent, qui doivent tourner en boucle et qu'on peut rien faire, ce sera une occasion pour aller visiter la Twilight, je pense. Merci Nameless pour les 5 bits. Mes premiers bits sont pour toi, ML. J'adore tes lives. Merci beaucoup, Nameless. C'est super gentil. Pipi. Oh, j'en suis un message. Pipi. Et on va avoir le 8ème qui va être bon là. Alors, il y en a une avec les yeux de Venom ou alors une autre avec la moitié du visage de l'acteur, Tom Hardy. Et la moitié de Venom de taille 60 cm, de haut 40 cm de large. Tu peux la placer un peu partout. Alors, s'il n'y a que les yeux de Venom, moi je veux bien. Moi je veux bien. Hop, hop, hop. Donc on a les 8, c'est bon. Putain, je me suis enfoncé un truc sous l'ongle du petit doigt tout à l'heure. Et vu que j'appuie sur le contrôle pour courir avec le petit doigt, ça me fait mal à chaque fois. À quand un live 24 heures? Ah, je ne sais pas. Screen. Il me faut d'abord ça. Merci, Rouskov, pour ton abonnement tier 1. Merci beaucoup. C'est très gentil. Qu'est-ce que c'est que cette émote? Twitch Global, passe ta date. Des pattes. On m'en parle que ça fait 2 semaines que j'ai regardé des pubs pour avoir des bits et j'ai toujours rien reçu. Merci Twitch. C'est vrai que j'ai jamais essayé de regarder des pubs pour avoir des bits. Normalement on a tout. Évidemment il l'aimait pas. Hein. Voilà. C'était la partie la plus dure, les machines contrôleurs, franchement. Donc là c'est fait, on est content, on est joie. Happy. Etc, etc. Donc on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Ici c'est du vide. Il me faut des co-crafting units. 8, 8, 16, 16, 32. On doit se faire rapidement ça, normalement, non? ML, pour Noël, tu peux faire un live 24h ou 12h? Pour Noël, je sais pas, parce que je crois qu'on aura du monde à la maison, mais je crois que pour le nouvel an, on a un truc de prévu. C'est peut-être pas sûr, parce que il y a eu une nouvelle de dernière minute qui n'est pas des plus joyeuses, mais c'était peut-être possible qu'on fasse un stream pour le nouvel an. Par contre, rien à voir avec Minecraft, hein, on fera un stream en mode détente. Du coup, on avait prévu, je vous dis d'ailleurs ce qu'on avait prévu, mais je vous dis pas sur quoi, ni sur quoi, ni... Enfin, je vous dis pas tout ce qu'on avait prévu, mais ce qui était sûr, c'est que dans le programme, on avait prévu de se faire une petite raclette avec des amis. Mais du coup, des transstreams, etc. Et du coup, d'interagir avec vous. Oui, au nouvel an, je serai au taf. Ah. Un stream en mode blabla, ça pourrait être sympa. Bah, ce sera un peu ça. À quand un stream ASMR? Voilà.
Ah, on a bientôt nos 32 là, on va être content. Plus qu'à frotter le micro dans ta barbe et ce sera parfait. Oh, peut-être pas. Désolé, Ascafab, et désolé pour les autres. Je sais pas ce que ça donne au niveau du casque. Merci pour les 1000 bits, et Raju. Allez, on teste. Premier don de ma life, et c'est pour toi, petit barbu. Tu le mérites. Merci beaucoup pour les 1000 bits. Et là, pouf, de ce que je vois, ça a bien giclé le verre aussi. Merci beaucoup pour les 1000 bits, c'est très très gentil. Je reste, mais c'est bien parce que c'est toi. Merci. pardon. Du coup, on regarde. Il va nous falloir des machine vent. Il va nous falloir 3 par machine. Donc, il nous en faut 12. 12, 12, 12, go. Clic. On peut faire des dons dans lesquels on reprend nos bits. L'ASMR, c'est pas ce que j'aime. Désolé, il n'y en aura plus, promis. Pourquoi mes oreilles? Pourquoi 100% de son? Là, tu vois, le truc, c'est que... Bon, après, j'ai approché la bouteille du casque, donc forcément, ça a fait du bruit. Bonjour, Frozine. Ça va, toi? Au stream ASMR, je préfère le stream à son pépère. Ah bah oui, tranquillement, cool. Et du coup, maintenant, il faut qu'on fasse le calcul. Il nous faut 39 machines ou 45 machines. Je pense pas qu'on va s'embêter à essayer de regarder le liquide à l'intérieur. On va pas s'embêter parce que sinon, il faut qu'on refasse de l'Ardennes Platinum Glass. J'ai pas envie. Donc, c'est 45 machines casing. Machine casing, on en a 4. Donc, 45 x 4, ça fait 180. Donc, il va falloir qu'on en fasse 176. Ouh. Constantant, il a pas. Il veut du constantant. Et bon, on va lui apprendre à faire du constantant. Ok. Constantant, monsieur. Oui. Alloy Furnace. Nickel, copper, ça me donne 2. C'est nickel tout ça. C'était nul. Ok. Voilà. Merci pour le bits, Mick. Marque les processus niveau des processing units. Manque les processeurs niveau des processing units. Hein? Mais non, il n'y en a pas. Regarde. Tac, tac. Oh. Oh, je l'avais pas vu, lui. On le fera après. Ok. Il est censé le faire rapidement maintenant. Donc, machine. Voilà, pendant que ça tourne, on va s'occuper... du petit bloc que j'avais pas vu, c'est-à-dire le processeur. Au-dessus du multitank, donc processeur. On l'a absolument pas, hein. Processeur, processeur. C'est ça. Donc des machines frame encore. Il m'en reste un, il m'en faut 3 autres. Go. Cimer la street. Qu'est-ce que tu racontes, le pony vert? Comment on a les bits des pubs? Car j'ai regardé une pub et j'ai rien eu. Je crois que t'as une option pour regarder la pub. On a déjà l'ASMR avec ta souris. Enfin, avec ton clavier et ta souris, c'est vrai. Alors ça, maintenant que c'est fait, il va nous falloir également des cartes base. Easy. 6 et 6, 12, 24 je crois. Go. Ah.
Allez, hop. Voilà, c'est bien ça. C'était bien le compte qu'il fallait. Machine, on est toujours sur 1. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend de faire du style. Le truc, c'est que pour faire du style, il faut qu'il fasse du constant temps. Est-ce qu'il a tout cassé? Je crois bien qu'il a tout cassé. Non, ça va, il continue de faire du style, ça va. Peux-tu nous montrer, peux-tu me montrer pour le réacteur, s'il te plaît, bien sûr. Donc on a l'extrême réacteur ici, qui est installé avec un gros réacteur control rod ici au milieu. Hein. Tout le réacteur est rempli de résonant render, ok. Et ensuite, c'est ici que ça fonctionne. Donc on a un garden cloche avec une graine d'uranium. On a de l'infinite water source pour qu'il ait toujours de l'eau. On extrait les essences pour crafter 3 uranium une fois que j'ai toutes les essences nécessaires. Donc lui, il est alimenté directement via ça qu'on est en train de faire. Donc c'est auto-alimenté. Ensuite, c'est extrait, ça rentre dans, dans ce petit drawer qui est re-extrait pour aller directement là-dedans. Et ensuite, j'extrais le cyanite ici. Et enfin, l'énergie, je le stocke directement dans l'induction casing. Et l'induction casing, ce que j'ai mis à l'intérieur, je peux casser pour vous montrer, c'est un Advanced Induction Cell et un Advanced Induction Provider. Voilà. Et du coup, ça me permet d'avoir 3,2 giga RF. Ce qui est beaucoup. Ah, les machines, c'est bon. Zbum, j'ai les 4. Parfait. Les machines casing, c'est en train d'être crafté. Et maintenant, le gélite cryothéum, que je n'ai absolument pas. Si, regardez ça, cryothéum dust. Un cryothéum dust, ça me donne combien? 250 millibuckets. Oui, 250 millibuckets. Ok. Dans le magma crucible. Premier live en direct. Bienvenue à toi, craft un cube bay YouTube. Craft un cube YouTube, pardon. Craft un cube YouTube. 3,2 gigawatts. Marty, exactement. Fluid transposer. Le magma crucible, il est où? Pulvériseur. Magma crucible, je l'avais pas fait. Je vais peut-être me refaire un... C'est un melter que j'ai besoin? Attends, je ne sais déjà plus. Ouais, c'est un melter que j'ai besoin. J'essaie de me refaire un melter. Salut Sidcore, ça va et toi? Melter. On n'est pas loin. Oh. Steel et lead. Comme un dimanche. Ah, ça veut dire que tu vas bien. Soit tu vas bien, soit t'es un petit peu déprimé parce que demain il y a le boulot ou l'école, je ne sais pas. Dans quelle situation tu te trouves. Hop, melter. Et des speed upgrade. On va foutre ça là en attendant. C'est vraiment juste pour avoir le gel creator. Hein. Voilà. Donc par contre, il va nous falloir un petit peu de bucket. Hein. Donc là, on a combien de buckets? On a 6 buckets. C'est même pas assez pour faire une machine. Hein. Parce que si on regarde au niveau de la machine, il va nous falloir 7 buckets. C'est 14, 28. Il nous faut 28 buckets. Jelly de Cryotium. Est-ce que je peux te faire ça? Ha. Snowball. Je peux pas faire de snowball. Tiens. Comment ça je peux pas faire de snowball? J'ai pas de craft pour faire les snowballs. Putain, je... Je suis étonné. J'ai un craft pour faire... Voilà, bah c'est ça en fait. J'ai le craft pour avoir de la... des blocs de neige, mais pas pour avoir les snowballs. Pattern. Snow. Un seul. Snowball. Voilà, là je sais faire les snowballs. C'est plus un problème. Descends. Voilà.
Snowball, 100, redstone, je suis sûr d'en avoir ou pas? 2900, ça devrait être bon. Clac, clac. Merci Blue Donor pour les 181 bits. C'est quoi ce boss avec plus de points de vie? Faut remédier à ça, là. Merci Blue Donor, tu es devenu le nouveau boss maintenant. Et que je regarde le replay. Spouf. Ouais, ça a bien giclé les pièces. 28 buckets égale 112 cryo dust. Bah j'en aurai plus. Tank, on va prendre celui-là. Alors on m'avait dit également que je pouvais les config. Voilà. Bon, c'est pas un rapide, mais bon. On va l'accélérer un peu. Extract. Insert. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Insert? Non? Insert. C'est mieux. Merci la Force TV pour ton abonnement. Bienvenue à toi. Merci pour ton abonnement. Botania, c'est quel épisode de la rediff? Je crois que c'était les... pas le dernier, mais les deux encore d'avant. Oup. Donc on va avoir du gélide cryothéum. Donc ça c'est bon. On va pouvoir en récupérer après. Donc je vais avoir mes buckets gentiment. Et du coup mes machines, où est-ce que ça en est? Est-ce que tu as fait toutes les machines? Tu n'en as que 50. Écoutez, avec 50, on peut, je pense, déjà commencer à me faire une machine. Donc je vais enlever ça pour l'instant. J'enlève ça. Regardons. C'est 5. Donc on va faire. Et normalement, j'avais dit que je ferais une autre machine ici. Hein. Ouais, c'est ça. Là, je vais mettre les torches d'ailleurs ici. Là, mieux. Ok. Mm-hmm. Ensuite, le panel au-dessus, ça va être en face le machine contrôleur. Et là, attention, faut bien qu'on les mette. Hein. Faut qu'on les mette, mais vraiment correctement, parce que la dernière fois, ça allait pas. Hein. Alors, machine contrôleur. Très bien. Sneak to free the current preview. On s'en fout de ça. Donc c'est output item à gauche. Ensuite on a fluide, énergie, item. Ok. Fluide. Non, je me trompe. Fluide, énergie, item. Ok. Ok. Et sur le côté on a la gearbox. Ok. Normalement c'est bon. Non, ça c'est pas bon. Voilà. Merci Zoro pour les 100 bits. Non, ça se passe pas comme ça, Blue Donor. Ah, Zoro qui reprend la place du boss. Donc là, on a un espace vide. Que je regarde quand même, parce que je trouve ça bizarre qu'il y ait un espace vide. On le voit pas à l'intérieur, hein, mais... Bon, il y a un espace vide. On a le multi-tank. Ok. Avec le processeur qui est juste au-dessus qu'on avait vu. Il va nous falloir le fluide. Donc pose-le. On prend le bucket. Ok, donc un là. Un là. Un ici. Un là-bas. Voilà. Oup. Tombe pas dans l'eau, ça brûle. Enfin, dans le gélide cryothéum. Et un ici, ok. Là, on est bon. Mais calmez-vous! Kevin Milado qui envoie 500 bits. Tu te trompes pas mal. Tu te trompes pas mal, on compte sur toi. Te trompe pas, ML, on compte sur toi. Oh, j'arrive pas à lire, en plus. Tu comptes sur moi, mais si j'arrive pas à lire, on va pas s'en sortir. Merci en tout cas pour les 500 bits. Et merci Blue Donor encore une fois pour les 1000 bits. Sniff, je te laisse pas partir comme ça, Zoro. Yop, ML, si tu freezes la preview, ça freeze la liste. Probablement, oui. Sneak. Ça sneak la liste. Ouais. Donc c'est bien à savoir.
Donc au-dessus, on a les deux ventes. Là et là, on a les coprocessing. Ok, on a ça, ça, ça. Ok. Et enfin le vent au milieu et on fait le tour. Donc alors, normalement c'est bon. Hein. Alors, Advanced Carpenter, il l'a trouvé. Et maintenant, il faut que je lui donne le Machine Blueprint. Sauf qu'il va falloir que j'en crafte 3 autres de ça. Donc on va aller en crafter 3 autres et on va les poser. Fais gaffe, je pense que t'as mal placé tes sources de gélide. Non, non, c'est bon. Les sources de gélide, il y en avait juste une où il fallait pas la poser et on l'a pas posée ici. Bonus 0. Non, au niveau des sources, normalement, c'est bon. Machine, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me disais bien qu'il bloquait quelque part. Il bloque en train de faire ça. Les Empowered. Pourquoi ça a bloqué sur les Empowered? Non, il les met bien en plus, hein. Alors vraiment, ce qui m'agace, c'est que ça retire les... Ah, ok. Ah. Donc c'est ça le problème. C'est qu'il prend tous les items d'un coup. Et il veut essayer de crafter tous les items d'un coup. Et il me bouffe tous les items d'un coup. Attends, 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 attends. Ah, mais complet. Ça, c'est un problème par contre, hein, les gars. Hein. Donc il va falloir ici qu'on lui dise blocking mode. Oh, fait chier. Ça par contre ça m'embête, hein. Ouais, le blocking mode ne fonctionnera pas complètement, ouais. Parce qu'il va mettre que les items une fois qu'ils seront dedans, mais... Ok, je vois ce qu'il va falloir qu'on fasse. C'est chiant. Ok. Eh ben, on va refaire ça. Hein. Ok. Il va me falloir un level émetteur. Ah ouais, mais ça va être chiant. Parce que le level émetteur, là, c'est pour juste pour crafter un. Oh. Je comprends mieux pourquoi ça déconne depuis tout à l'heure et qu'en fin de compte, il m'a mangé une quantité de ressources assez assez costaud. Comment on peut faire? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Ouais, la machine, elle m'a carrément mangé tous les items. Fais le Under IO avec les filtres à la con. Le Under IO avec les filtres à la con. C'est Saint-Jean Baptou. Under IO. Fais le Under IO. C'est pas une... Il n'y a pas de machine qui s'appelle Under IO, sauf si ça se colle. Non. J'aurais bien une idée de savoir comment le faire, mais ça risque d'être assez chiant. C'est le seul problème que j'ai. Tu peux insérer des items directement. Moi j'utilise XNet pour faire ça. C'est vrai que XNet c'est pas une mauvaise idée, le problème c'est qu'il faut l'alimenter XNet pour que ça marche, non? Clock plus filtre. Non, pas de clock. J'aimerais éviter le plus possible le clock. Et toggle bus ça va pas marcher parce qu'il faudrait que j'ai un... Comment on appelle ça?
un level émetteur pour chaque craft que je vais faire là-haut. Tu me diras, je peux regarder les crafts que je dois faire ici, hein. Et on va regarder si ça vaut le coup ou pas. Showcraft, j'en ai 8. Donc il y en a un. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 à faire. Ça, on peut peut-être le faire avec les level émetteurs, mais bah, ça va nous coûter 8 channels par level émetteur en fait. Enfin, ça va nous coûter 8 channels avec les level émetteurs. Oui, juste un peu d'élec pour XNet. Au lieu d'utiliser les blocs fantômes, tu les insères directement et les conduis en Under IO. Oui, c'est vrai que je pourrais faire ça, oui. C'est vrai que je pourrais faire ça complètement. Mais le problème qu'il va y avoir avec ça, avec les conduits d'Under IO, si je lui demande de crafter du palace et derrière du Restonia, il va tout mettre dans le coffre et ensuite il va les balancer n'importe comment. Oui, je sais que je peux apporter l'énergie à Caplaid. L'extraction de ton Skystone Chest est reliée à ton insertion de l'interface. L'extraction. Mais oui. Zéro, monsieur, zéro. Regardez, j'extrais ici, mais je le remets là-dedans. Et vous regardez un mec qui sait pas jouer à Minecraft, quoi. Ah. Merci, Rignes. Je me sens... plus que ridicule. Plus que ridicule. J'ai pas le droit de faire des streams sur YouTube. Non. Normalement, ça devrait fixer le problème. Juste en faisant ça. Ok, on va retester. Hein. On va faire palisse. Donc au final, il les mangeait pas les items. Hein. Pas 1. Faisons 10, tiens. Hop. Voilà. Je mérite pas autant de bits, autant d'abonnements. Là, c'est nul, c'est zéro. C'est zéro. Le pire, c'est que j'allais changer tout l'autocraft pour une petite bêtise. Du coup, je suis pas obligé de le mettre en blocking mode, mais je vais quand même le laisser en blocking mode, lui. Juste parce que. Ah. J'en pense quoi de l'article 13? C'est une très bonne idée pour tous les créateurs de contenu. Pour qu'ils évitent de se faire voler leur contenu. Après, la loi va être très mal interprétée et utilisée dans le mauvais sens. Un peu comme toutes les lois quasiment qui ont été créées jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des petites failles pour qu'on en profite à droite à gauche. Et c'est évidemment les grosses compagnies qui vont en profiter et pas les petits. C'est justement parce que tu sais pas jouer à Minecraft qu'on te regarde, c'est plus drôle. Ah, bah merci Emilno, merci beaucoup. Ça me touche. La faute à Bido, voilà, Obi-Wan, merci. Enfin, on peut casser du sucre sur le dos de Bideo en mode legit. Je sais pas si Bido est dans l'instance, mais Bido n'a pas son mot à dire. C'est fini, c'est ta faute. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, Bido n'a pas aimé ce qu'a dit Obi-Wan. T'inquiète, Obi-Wan, c'est Bido qui t'a Théo quelques secondes. Ah, il a glissé, apparemment. Ouais, voyons, il a glissé. C'est une directive européenne, ML2G. C'est le député français qui feront la loi en conséquence. Oui, voilà.
un petit résumé de ce que tu as installé. Alun Redwood, tu veux voir quoi exact? Tout ce que j'ai dans la base? Est-ce qu'il a fini? Il doit avoir fini. Du coup, je sais plus combien de blocs il me fallait. Je vais lui en demander 150 et puis on verra. Je viens d'arriver. Qu'est-ce que j'ai manqué? T'as manqué l'autocraft de ça. L'autocraft d'autres machines là-bas. Le blue slime là-bas. Mais non, lol, le système avec les fantômes. Ah, pardon. En gros, j'extrais sur le channel rouge. J'insère dans les fantômes dans le channel rouge. Et j'extrais du channel vert ici pour le remettre. Touk, 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 touk. Ça, ça dégage. Là-dedans. Voilà. Et tout à l'heure, ce qui posait problème, c'est qu'au final, le câble ici, il était connecté. Donc au final, je pourrais remettre les câbles verts ici, mais bon. Il était connecté là, je viens juste de le voir. Et ça n'allait pas. 126 blocs, je crois. Bon, on en aura un petit peu plus. Bon, c'est pas très grave. Pourquoi tu ne peux pas faire de live sur YouTube? Parce que j'ai signé un contrat avec Twitch pour pouvoir être partenaire Twitch. Et dans le contrat, il est interdit de streamer sur d'autres plateformes que Twitch. Si je veux streamer sur YouTube, ce ne sera pas sur ma chaîne. Ce ne sera pas avec mon pseudo. Ce sera, par exemple, si demain on m'invite à faire un stream sur YouTube, ce sera sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Là, je pourrais y aller. Mais moi-même, mon contenu à moi, c'est que sur, sur Twitch, si c'est du stream. Tu as retiré un pattern de Rubik's Cube sur l'un de tes murs intérieurs. Tu as retiré le pattern? Ah non! Il est là, faut que je l'enlève du coup maintenant. Parce qu'on en a plus besoin. Je crois que la dernière fois en plus on avait dit qu'on allait l'enlever et je l'ai absolument pas fait. Ah, toutes ces blocs de couleurs, c'est mignon. Voilà. Ok, alors machine, voilà, 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 très bien, on est bien. Ah oui, 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 oui. Non, là-dedans. Faut qu'on recrafte ça. 64K fluide. Il en faut 3. Fluide, il m'en faut 3. 3, pas 4, 3. 1. Analog crafter, je pensais l'avoir fait ça. Voilà, tu sais le faire maintenant, mon ami. Il n'y a plus de problème. Ah! Fuck you. Cordialement. Allez. Voilà. Oui, je peux rediff sur YouTube, ouais, ça pose pas de problème. En fait, c'est le... Si tu veux le streamer sur Twitch, du fait de ne pas pouvoir streamer ailleurs, c'est pour avoir l'exclusivité. Oui. Tu les installes comment les machines du coup? En mezzanine? Ouais. Ouais, ouais, on va devoir... on va en installer une deuxième machine à côté. Mais les deux autres, elles vont être au-dessus en fait. On va pas avoir le choix finalement. Parce que je pourrais en installer une là, mais après l'autre, je pourrais pas l'installer. Il est en train de les faire gentiment. Là-bas, c'est... Oh. Bon, là, il le fait. Là, il le fait. Ok. Bon, on va installer la mezzanine, du coup. Slab. Je me disais bien aussi. Ok. On va les mettre à cette hauteur-là. Ok. Blanc. 1, 2, 3, 4, 5. Blanc.
Voilà, très bien. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais bon, ça fera le taf. C'est quoi la touche pour craft les items? Moi, je suis obligé d'enlever les blocs. C'est le pick block. Le pick block, normalement, il est sur le clic molette. C'est pour pouvoir recrafter. Ah, tu n'as pas le mode qui fait des arches? Si, Uzumaki. Et je pense que je vais en faire des arcs pour la déco. Je crois que c'était... Je vais trouver le nom... Non, j'ai pas le nom. Mets un pilier, s'il te plaît. Après. Après. Ah, c'est terminé. Donc, tous mes blocs de machines sont faits. On va pouvoir tout prendre. Merci. Du coup, ce qui va nous manquer, en fait... Ah oui, le blueprint aussi. Paf. Oh. Décidément. 10 000. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Et Carpenter. Donc là, il va nous falloir du treated wood et du sturdy casing. Avec de l'eau. Water. Sawbench. Architecture craft, ça doit être ça. Attends. Oui, bien joué. On va le mettre de côté. Water. Allez. Pour 6. J'espère que j'en ai assez du sturdy casing. Ouais, c'est bon. Ok, nice. Du coup, blueprint. Mais non, fais pas n'importe quoi. Voilà. C'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Bon. Blueprint. Ok. On va installer le reste. On va essayer de se souvenir de tête. Comment on le fait. Et attention dans le chat, hein, si je fais des bêtises, me le dites pas, ce sera plus rigolo. C'était fluide, énergie, item. Hop. Ici on a ça qui se colle là. Machine contrôleur. Item output. On pose ça ici. Ok, il va nous falloir multi-tank. Le processeur du gel de cryotéum. T'as déjà fait une connerie en proposant cette idée, mais non. Attention. Lag. Merci. Bonsoir MLG, tu fais quoi? Je suis en train d'installer des machines. Actuellement, j'installe un Advanced Carpenter pour crafter les items du Carpenter. Pose-toi là. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça c'est bon. Prends-le. Oh là 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 là. Il a cassé ça. Cette pioche, moi je vous le dis, elle est bien, mais elle est chiante. Calme-toi. Parce que du coup, j'ai cassé ce bloc-là, et je suis obligé de le recrafter. Mais j'ai rien eu de dommage. Oui, je sais pas pourquoi il y a des problèmes avec ça en ce moment... Il y en a beaucoup qui se plaignent qui n'ont pas eu les bits gratuits à cause des pubs.
Atomic Disassembler. Bah, c'est un peu la... Ma pioche, elle a un peu du même principe. Hein. Ok, donc là, il va falloir mettre les Co-Processing Unit. Ok. Là, les Machine Vent. Et un au milieu. Et le reste, c'est du Machine Casing. Est-ce que j'ai eu juste? Est-ce que j'ai eu faux? La réponse dans quelques secondes. Hop, et je vais en profiter pour mettre... Non, pas ça. Les torches. Pouf. Pouf. C'est bon. On a tout juste. Bon, il faut le refaire là-haut maintenant. Change de constellation pour plus avoir Ast. C'est vrai que je pourrais changer la constellation. Ah, les bits des pubs sont censés être désactivés en Europe. Je ne savais pas. Il doit plus te rester beaucoup d'ingots à crafter avant de pouvoir te faire ton premier ultimate ingot. C'est possible, mais l'ultimate ingot, je pense qu'on commencera à le crafter quand on pourra vraiment le farmer. Et du coup, merci Toxic pour les 100 bits. Petit coucou avant d'aller dodo. Et un petit coucou à moi pour la rediff. Et bien, coucou Toxic pour la rediff. Et bonne nuit Toxic du présent. Merci d'être passé. Fluide, énergie, item. Hop, hop, hop. Pouf, pouf, pouf. Je te le mets dedans. Ce sera déjà ça. Ok. Multitank. Processeur. Un, deux, trois, quatre, non, cinq, six, et enfin, sept, ok. Il en reste combien dedans? Deux buckets. Je vais pas avoir besoin d'autant de gel creatum après. Il me reste 13 buckets, bon bah je vais tout récupérer, hein. Et les EMC ici, je pense. Je sais pas, j'ai pas regardé. Project. Non, j'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas d'EMC sur ce modpack là. Heureux, Peter. Bon temps. Ok. Tac, tac, tac. Pouf, pouf. On va mettre tout de suite la torche parce qu'il fait vraiment sombre. Voilà, et on va en mettre une là. Et le reste, c'est du machine casing. Voilà. Donc là, on est bon. Yes. Et du coup, on fait la même machine de ce côté-là. Box. On pose ça ici. Il nous faut le contrôleur bien évidemment devant. Il nous faut hop ça et ça. On va chercher le gel crutum là-bas. Ah bah rip le cheat de MC. Ah bah oui. C'est bon, il a tout vidé? Ouais. Il est full lui? Ouais, il est full. Il y a peut-être encore des buckets là-dedans. Ouais, il restait un bucket là-dedans. Ok, j'ai bien fait de retirer ça avant. À la troisième machine, je me suis trompé. Non, c'est bon. Structure found, il a trouvé l'advanced carpenter. La dernière fois, quand on s'était trompé, il nous disait pas qu'on avait une structure. Aïe. Ça suffit. En fait, ici, c'est normal. Hein. Ici, on est censé avoir un bloc vide. Hein. Ok. Donc, vent, vent, vent. Processing unit.
Pouf, pouf, pouf. Du coup, je pense que j'ai fait trop de processing unit, mais de machine. Ici, j'en ai fait un peu trop. Voilà. On a nos 4 machines. C'est beau. Tac, on va ranger le gélide. Et du coup, il faut que je mette ça dans la machine, bien sûr. Avec une torche devant. Alors. Bonne nuit tout le monde. De la part... Et ML2G de la part de la Haute-Savoie. Et bonjour la rediff. Pour moi. Bonne nuit à toi, Craft un Cube YouTube. Et bonne rediff. Pourquoi tu as fait 4 machines? Pourquoi tu fais 4 machines? Alors je vais t'expliquer tout de suite pourquoi je fais 4 machines. Si on regarde les crafts du Carpenter, tu vois, on a 18 crafts. On va même prendre directement les crafts de ça, ce sera plus simple. Hein. Il faudra qu'on se craft le Ludicrit, parce que le Ludicrit, on va en avoir besoin pour les Infinity Catalyst, et également pour d'autres crafts hardcore, bien sûr. Et probablement pour d'autres choses, je ne sais pas encore quoi, mais probablement pour autre chose. Bref, même le Ludicrit Ingot, il va me le falloir pour de toute façon l'Ultimate Ingot. Et pour avoir le Ludicrit, c'est dans le Carpenter avec tout ça, d'accord? Donc il va nous falloir du liquide DNA, il va falloir qu'on farme le liquide DNA dans le Carpenter. Donc on aura un Carpenter que pour le liquide DNA, ça fait déjà une machine. Ensuite, il va falloir qu'on se fasse les Wyvern Core avec du Primal Mana, ça fait déjà deux machines avec deux liquides différents. Chaque machine aura un liquide différent dedans. Hein. Ensuite, on a... alors ça, on s'en fout, je pense, pour le moment. Ça, je vais pas l'autocrafter parce que je vais juste en avoir besoin d'une fois. Ça, j'hésite. Ça, j'hésite aussi. Mais du coup, on a vu qu'il nous fallait de toute façon bah, ces cartes-là pour faire des crafts. Donc de l'eau, troisième machine. Et du seed oil, quatrième machine, pour les impregnated casing plus les impregnated stick. Voilà pourquoi j'ai fait 4 machines. Du coup, c'est bien, on a refait le tour. Maintenant, seed oil. C'est dans le squeezer. Seed oil. Est-ce qu'on n'a pas une machine qui permettrait d'aller plus vite pour avoir le seed oil? Tiens, fais voir. Qu'est-ce qu'on a? Carpenter, thermionique, métallurgique. Et... ouais, ça, on s'en fout pour l'instant. Métallurgique, fabricator. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. On va voir ce qu'il craft, lui. Il craft le Myrion Ingot. Il craft le Titanium Ingot aussi. L'os glow glass aussi, tiens. Oh, Mana Infusing Got. Ok, il faudra qu'on se le fasse de toute façon, ou normalement cette machine aussi. Mais ouais, donc le Seed Oil, il va falloir qu'on trouve un moyen de l'avoir très rapidement. Le Squeezer marche bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Mechanical Squeezer, je sais pas s'il est rapide lui. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà testé, s'ils peuvent me le dire. Vu son craft, à mon avis... Vu son craft, à mon avis, il doit pas déconner. Hein. De rien, Deminactor. Tu peux pas avec Actually Edition. Quoi donc, Cox? Très beau siège, ML. Merci, Thomas. C'est un siège que j'ai acheté à but. Qui m'a coûté... 60 euros, je crois. Fluid Transposer. Ah oui, oui, bah oui. Est-ce que je peux balancer des seeds? Non, il va me falloir du mulch. Attends, ça c'est un... Attends. Fluid Transposer, normalement je l'ai déjà cette machine. Ça doit être là-bas. Le Seed Oil. Avec Actual Edition, le Seed Oil, j'ai pas fait gaffe. Ah attends. Seed Oil. Thermal Foundation, Forestry. Celui-là. Non. Fluid Transposer, il est là. Il a de l'essence dedans, faut que j'enlève l'essence. Je peux mettre des upgrades sur le quizzer pour les plus vite. C'est vrai que je peux mettre aussi des upgrades. Hein.
Tac. Insertion. Il y a un bug là, on est d'accord. Il me dit qu'il y a encore de l'essence dedans, mais il n'y a plus d'essence. Ah, enfin bon. Pourquoi est-ce qu'on m'a dit c'était le flux de transposeur? C'est ça le flux de transposeur. Ok, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Des fruits. Oh, mais les fruits, c'est chiant à les chercher. Je pense pas que le flux de transposeur ce soit la meilleure des solutions. Hein. Mais je sais pas si avec ce seed oil ça fonctionnerait. Ah, il le met là-haut. Drum. Quoi, du double compresse. Ok. Donc j'ai du seed oil. Est-ce que ce sera le bon seed oil? Je sais pas. Automatise les bouches avec les fruits. Je pense qu'on verra après ça. La pomme, tu peux la craft. C'est vrai que je peux craft la pomme. Fais voir si ça marche. Non, la pomme, c'est pour avoir du apple juice. Fruit juice, c'est pas ce que je veux. Non, les pommes, ce sera pas bon. Le chestnut donne beaucoup de seed oil. Ouais, mais il faut que je le récupère. Il faut que je fasse pousser un arbre et que je le récolte naturellement. Mais là, on a du seed oil. Est-ce que c'est le bon seed oil? On va aller vérifier tout de suite dans le Carpenter en bas. Pour être sûr, et si c'est le bon, on automatisera ça. Tu peux le seed oil de thermal et le passer dans une machine industrielle pour le transformer par Org Dictionary. C'est vrai qu'il y a les machines aussi de thermal qui font ça. Mais on va regarder du coup si ça marche bien ou pas avec ce seed oil ou non. Donc ici on en insère, on n'insère pas du tout le seed oil. Donc il est pas bon ce seed oil. Hein. C'est caca. Donc il faudrait que je le passe dans une machine d'industrial forgoing. C'est celui-là, hein. Or Dictionary Converter. On va essayer de faire ça pour voir. Si je peux le changer directement avec ça, ce serait chouette. Hein. Alors. Plastique. Ok, et il va nous falloir Machine Case. Ok, let's go. Si ça marche pas, bah je mettrai des améliorations sur le Carpenter qu'on a en bas. Hein. Le Carpenter, le Squeezer, pardon. Il n'y a pas des drawers pour liquide? Ah bah non. Ah bah non. Ok. Alors, est-ce que ça a besoin d'énergie, ça? Ça a pas l'air. Ça marche pas avec les fluides, hein. Pas un truc pour les fluides? Fluid crafter. Non. Fluid dictionary converter, c'est celui-là qu'il nous faut. Je ne l'avais pas vu. Ça s'appelle un tank. Le tank n'échange pas le liquide, nope. Fluid Dictionary Converter, boom. Il nous faut un machine case.
Ouais, je connaissais pas cet item, je m'en suis jamais servi. Donc on va voir. Alors. Donc il va falloir que je prenne un liquide. Oh, je l'ai mis dedans direct. Donc fluid seed oil. Essence of knowledge. Essence bucket. Oh là là. Il peut juste transformer ça en essence. En liquide XP ou en essence of knowledge. De ce que je comprends. Hein. Attends, non, il fait pas tout là. Je peux pas sélectionner de fluide ici. D'accord. Je peux en choisir que 3 là-dedans. C'est tout. On va prendre liquide XP en essence of knowledge. Always actif. Apparemment, je peux pas. Hein. Et je peux pas récupérer mon bucket. Fuck you alors. Puis ça aussi, fuck you. Je te dis bonne nuit car mon stage commence à 10h, mais je dois prendre le bus à 6h30 pour aller sur les lieux. Sur le lieu de mon stage. PS, vive les joies des transports à la campagne. Ok, oui. Bon courage pour ton stage, j'espère que ça se passera bien. Du coup, on retourne sur Forestry. Avec le squeezer. Le squeezer, on m'a dit que je pouvais l'améliorer. Donc Forestry. Ah oui, attends, squeezer, je vais redescendre en bas pour voir exactement ce qu'il va nous. Oh, merci. Ce qu'il va nous falloir pour l'améliorer. C'est vrai que la mobilette, ouais, c'est pratique. Hein. Donc le squeezer. On peut l'améliorer avec un truc ici, mais lui, le squeezer, je vais le prendre avec moi. Parce que le squeezer, je vais le poser pas très loin d'Applied. Comme ça, on sera bien. Regarde le tome de Thermal. Le tome de Thermal. Tu parles de ça? Le Tome of Knowledge? Je l'ai déjà ce truc là, hein, si on parle de ça. D'ailleurs, il est pas sur moi. Ah si, attends. Non, je l'ai pas ici. Il est ici, mais j'ai pas d'XP dedans. Y a pas un squeezer automatique. Y a peut-être celui de. Comment il s'appelle? D'Immersive Engineering. On a un squeezer sur Immersive Engineering, mais je ne pense pas qu'on peut avoir le seed oil qu'on cherche. Parce que nous, on cherche celui de Forestry. Hein. Et on a le Mechanical Squeezer d'Integrated Dynamic. Je vais essayer de crafter ça quand même. Je connais pas cet item-là. J'aimerais savoir si ça vaut le coup de le faire. Salut 42 et merci pour les 42 bits. Ah, il y a un livre thermal qui fait Earth Dictionary aussi. Oh. Forge Lexicon. Ah, y a Forge Lexicon ici et c'est tout. Est-ce que ce serait ça que tu me parles? Le Forge Lexicon, c'est ça qu'il faut faire? Je vais regarder. Regardons. Clique, voilà, merci. Oh. 7 préférences. Search. Et trouve pas. Cactus, cactus. Il n'y a pas de seed oil là. Je connaissais pas du tout le lexicon de knowledge. Hein. Tu vas faire des quêtes ce soir. Ouais, il est 23h, je pense qu'on va pas tarder à faire des quêtes. J'aimerais avant tout faire le squeezer qu'on a vu là. Voir si on peut commencer à automatiser la récolte de ça. Donc c'est le Mechanical Squeezer. Ok, essayons de crafter ça. Pour ça, il va nous falloir des squeezers. Très bien. Squeezer, like a boss. Donc on en a 3. Il va nous falloir des obsidian plates. Donc c'est...
Ah bah genre... Ah non, c'est des dents que j'ai, pardon. Ouais, c'est deux. Diamond Dust aussi. J'en ai. On fera un pilier aussi, si vous inquiétez pas. Compresseur. Il va nous falloir maintenant l'énergie batterie. Donc l'énergie batterie va me demander des Crystallized Mandrill. Mandrill. Et pour l'avoir, c'est un Mandrill Wood là-dedans. Dans le squeezer de base. Ok. Toi, tu dégages. Squeezer. Donc, Mandrill. Ça va que j'ai trouvé du Mandrill. Et du coup, je farm les Mandrill. Mandrill Wood. Go. Tu es sûr qu'un drum avec un bucket de seed oil de forestry ne convertirait pas celui de thermal? Est-ce qu'on a encore le truc là-bas? On a encore le truc là-bas. Je testerai après, d'accord? Dans le doute, je regarderai. On récupère que de ça en fait. ...5% de chance. Oh. Et Mandrill résine, qu'est-ce que j'en fais, moi? Ah, je peux en faire des blocs. Des blocs que je peux... ...retransformer comme ça. Très bien. Ça me va. Donc on va balancer ça directement dans... Oh, attends, il y a un autre truc qu'on peut faire aussi. Tinker. Nice. On va mettre ça là. Ah, il faut que j'ai un upgrade. Tant pis. On peut par contre... bassin. Basson, bassin. Est-ce que je peux le crafter ça? Non. Cerate brick. Non plus. Groot. Groot, j'en ai. Tu vas cuire du Groot. Cerate brick d'ailleurs, j'en ai besoin pour l'ultimate ingot? Non. C'est bon. Comment puis-je t'envoyer la fiche? Je t'avouerai que c'est compliqué parce que vu que je ne donne pas mon adresse. Je sais pas du tout, il faudrait qu'on se voit IRL du coup. Alors le bassin, on revient, voilà. Donc on va mettre le bassin ici et on va faire ça. Voilà. Donc on a notre bloc et on a justement ce qu'il nous faut. Cool. Il nous faut deux blocs. Et un troisième qu'on va transformer. Voilà. Et il nous le faut deux fois, c'est ça? Ouais. Donc, un, deux. Tu me diras, je vais tout prendre. Hein. Oh, il en a droppé un. Pratique. Voilà, ça devrait être bon maintenant pour crafter ce qu'il nous faut. Hop et hop. Ça charge pas? Non, ça charge pas. Ok. Et là, on se fait le Mechanical Squeezer. Voilà. Donc, ça utilise de l'énergie. Si je le pose là, il est full énergie. Maintenant, on va voir si ça marche bien, si c'est rapide. Seed Oil, c'est quand même plus rapide. Je pense qu'on peut mettre des upgrades. À moins que ce soit ce que... Non, c'est les sorties, ça. C'est les sorties, ouais. Seed Oil. Je sais pas si on a la possibilité de... mettre des upgrades ici ou si c'est juste, en fin de compte, des cases pour d'autres sources. Mais en tout cas, le Seed Oil, on le récupère plus rapidement avec ça. Hein. Donc je pense qu'on va rester là-dessus. Sinon, un point relais, je peux l'envoyer. Le problème, c'est que j'ai aucun point relais à côté de chez moi. J'ai déjà essayé de me faire livrer des choses de divers magasins.
Et les seuls points relais qu'il y a, c'est très loin. C'est un peu chiant. Il y a des graines qui donnent plus de seed oil. Probablement, oui. Probablement. On va regarder. 10 000 buckets, 10 000 buckets, 10 000 buckets. 10. Jus de fruits, on s'en fout. Honey, on s'en fout. Bon, là, il n'y a plus. Le chestnut, le walnut, le cherry me donnent plus. Sauf qu'il faut les récupérer. Et ça vient des arbres, ça. Donc il faudrait que j'ai un arbre que je farme, etc. Donc c'est un peu chiant. Je pense que je vais plus passer ça avec des graines. Donc je vais retirer ça. C'est pas grave si je perds le seed oil là-dedans. Tu me diras, ça va me permettre de voir s'il est toujours là. Il est toujours là, donc c'est très bien. Non, tu dégages toi. On va. Je crois que le wheat, il sait le faire. Oui, il sait le faire, le wheat. Je vais dire que 1 de wheat. Ou 3. 4. Il n'y a pas les seeds. Oh, il n'y a pas de craft pour les seeds. Hmm. 20% de chance. Carottes, du coup. Carottes, je peux les transformer en seeds. Je pense que oui, quand même. Non. Pumpkin seed. Eh ben, on va utiliser des pumpkin seeds. Je peux le foutre dans le squeezer, ça? Oui. Eh ben, écoutez, on va utiliser des pumpkin seeds. Voilà. Tu testes pas l'histoire du drum. Si, il faut que je teste l'histoire du drum, tout à fait. On est à 2200. On est en auto-éject. Apparemment, il veut pas le mettre ici. Conduit. Il a sorti le fluide, mais il le met pas dedans. Hein. Donc non, ça marche pas. Par contre, est-ce que tu vas pouvoir le remettre à l'intérieur? Oh. Ouais, c'est bon, il l'a remis à l'intérieur. Donc non, ce drum-là, du coup, bah tant pis. Hein. Poubelle. Donc ce qu'on disait, les pumpkins, on va lui apprendre à faire des graines. Et les graines, on va directement lui envoyer dans la tronche. Ok. Export bus. Ok. Pack capacity card, crafting card. Je crois que les pommes sont plus ratables. Le problème, c'est que les pommes donnent du jus de fruits. En tout cas, du jus de pomme. Et moi, ce que je veux, c'est du seed oil. Ce qui est différent. Ok. Donc là. Cable. On peut prendre un câble classique ici, on s'en fiche, hein, même si c'est connecté partout. Hop. Pouf, pouf, pouf. Ah, est-ce que tu te remplis? Oui, tu te remplis, super. Tu récupères le seed oil et du coup, je vais reprendre du câble. J'étais dessus. Et on va faire import bus. En fluide. En speed. J'attends qu'il y ait un bucket dedans pour pouvoir me faire une disquette. Je vais me faire une disquette de bucket. Enfin, de seed oil, du coup. 64K... fluide, voilà. Ta prod de citrouille va suivre avec Botania qui les utilise. Botania actuellement ne s'en sert plus parce qu'ils sont déjà full mana. Faudrait que j'augmente d'ailleurs la mana. Mais les pumpkins, de toute façon, il sait les crafter. Hein. Là, il sait les crafter parce qu'une pumpkin, touc, touc, c'est juste ça. Donc normalement, ça devrait le faire. Normalement. Faut juste qu'on attende le 64K, je me fais ça et on est bon. T'as déjà plein de disquettes dans un chest flute. C'est vrai, c'est vrai. J'avais complètement oublié, merci. Alors, est-ce que je peux? Oui. Pouf, pouf. Voilà, seed oil.
Voilà, comme ça je sais que c'est du seed oil. Boum. Là-dedans, on peut enlever le bucket. Donc, il va stocker le seed oil là-dedans. On est à 1000. On est à 1000. Ok. Oui. Voilà. Il n'y a plus de seed oil. Et là, normalement, il est censé le stocker là-dedans. Parfait. Donc, ça va tourner non-stop. Et ça, ça va être bien. Alors maintenant, ce qu'on avait dit, c'est qu'on allait essayer de claquer quelques quêtes parce qu'on n'a pas fait de quêtes et qu'on a déjà bien avancé dans le temps. Donc on va claquer quelques quêtes. Dernière fois, on avait fait Extra Utility et il y avait pas mal de générateurs à faire. Je suppose qu'il y a des générateurs qu'on va pas pouvoir faire, mais on va quand même regarder. Générateur. Magmatique, furnace. Déjà, regardons tout ce que j'ai. Parfait. Heated redstone. Voilà, déjà. Parfait. Tu devrais regarder pour les autres fluides en même temps. Ah bah le problème qu'on avait vu... pour les autres fluides... C'est le liquide DNA de Gendustry. Donc pour l'instant, le liquide DNA de Gendustry, il va falloir qu'on passe dans un DNA extractor. Avec des saplings ou des papillons ou du pollen. Mais je pense qu'on passera plutôt des saplings ou alors des abeilles avec de l'énergie pour avoir du liquide DNA. Ça, on verra plus tard parce que je suis pas du tout sur Gendustry. Ok. Le primal mana, pour avoir du primal mana, ça va être... clique dessus, comme ça tu le verras direct. C'est du IC2 coulant plus du Molten Osgloglass plus du Molten Myrion. Donc on n'est clairement pas encore à ce niveau-là. Hein. Et de ce que je regarde, il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. Hein. Non. Pour le IC2 coulant, c'est dans le fluide Solid Canning Machine qu'il faudra que je craft. En mettant du Crush Lapis de l'eau, j'ai du IC2 coulant, donc on le stockera. Et ensuite, l'Osgloglass, on a déjà vu comment l'avoir, n'est-ce pas? Et enfin, le Myrion, pour l'avoir, ça va être du liquide glace avec du Molten Cobalt, de l'Elementium, du Mana Steel et du Terra Steel. Ouais. Tu me diras quand tu veux que je t'offre la fiche. Yep. Si tu es sur Discord, si tu es sur mon Discord en tout cas, ou alors sinon j'ai un mail directement sur Twitter, tu peux directement me mail là-bas, ce sera plus simple. Comme ça je pourrais te répondre direct derrière. Donc oui, on a terminé celui-là. Loot chest. Hop. Ender Generator. La loot chest, on les ouvrira après, d'accord? On va essayer de tout faire. Ça va être compliqué, mais bon. Ça, tu peux? Non. Ça, tu peux? Non. Il te manque quoi? Iron plate. Ouh, les iron plate, ça va vite. Clic, clic, clic. Voilà, furnace. Je vais en prendre plusieurs parce que... Voilà, j'en fais 20, parce qu'à mon avis, je vais en avoir besoin de plusieurs de ça. Hein. Alors, pearl, touk, touk, touk. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Tu es fort sur Minecraft, oui ou non? Ça dépend. Alors, en PVP, je suis nul, zéro. En vanilla, je suis bon, et en modé, je suis bon. En tout cas, je me permets de dire que je suis bon, mais je pense pas être le mieux placé pour le dire. C'est plus les gens qui me regardent qui seront mieux placés pour me le dire. Potion. Easy. Autocraft, le furnace va être utile. Pas forcément, non. Non, pas forcément. Tu joues à Fortnite? Non. Oui, les golems, par contre, c'est pas trop mon truc. Les golems de fer, c'est mon... Voilà. Non, vu que je suis nul en PVP, je peux pas jouer à Fortnite, parce que sinon, bah, je me fais déglinguer. Pink, j'écris en français, moi, ça va bien. Pour faire des bourdes, il est pro, exactement. Il y a juste un PV golem... M2G a quelques soucis apparemment. Mais il m'a surpris. Il m'a surpris. Parce que de base... Oups, je vais ranger tout ça du coup parce que je les ai maintenant.
comme je l'ai déjà expliqué dans l'épisode, je crois, il m'avait retiré 4 cœurs et après il m'a retiré 6 cœurs d'un coup. Et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il m'enlève les 6 cœurs d'un coup. Et surtout rager sur Fortnite. Pas forcément. C'est juste que c'est pas trop mon kiff. Overclock Generator. Faut que je les fasse dans l'ordre en fait. Hein. Ok. Explosive. Nether Star. Ouh. Ouh. Ça. Ouh. Oui. Oh. Ah. Ça sera pas pour tout de suite celui-là. Hein. Comme on est en train de rusher les quêtes en mode sale. Il marche comment le ping générateur? Avec des objets roses, voilà, c'est exactement ça. Donc, du colorant, de la laine, des pétales, tout ce qui est rose. Slime. Clac, et enfin, le rainbow, on verra après. Bon, bah là, on a rushé, là. Ouais, celui-là, on l'a pas fait. Parce qu'on peut pas le faire, tout de suite. Mais on en a fait beaucoup, en très peu de temps. Donc on va récupérer les loot chests du milieu. On essaiera de le mettre en route, le Rainbow Generator aussi. On verra comment il fonctionne. Si on en a l'utilité, bien sûr. Plus qu'un pour le Rainbow. Bah ouais, le problème, c'est que le Rainbow... Wither H, à la rigueur, tu vois, j'en ai. C'est pas un problème. Mais ça, le générateur, il me faut le Draconic Core, donc j'ai pas du tout tout ce qu'il nous faut. Et il nous faut également l'Enhanced Ender Ingot, donc il nous faut l'Extended Crafting. Et il nous faut l'Ender Star. A la rigueur, ça peut ne pas être difficile à faire, Ender Ingot. A la rigueur, c'est simple à faire ça. Hein. Mmh. C'est une sorte de QED. On va peut-être le faire. Quoi que je suis en train de me dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout de suite? Parce que, en fait, le Draconic Core. Draconium Block. Draconium, on n'a pas beaucoup, hein. Et. Il me faut les Elite Plating. Alors, attends, qu'est-ce qui nous manque? Non, les Elite Plating, je les ai. Il nous faut évidemment ça. Et le dislocator. Oui. J'ai quand même envie de tryhard. Je suis un gueudin. Ouais, je l'ai pas automatisé ça. À quand Environmental Tech? Bah, j'espère pour bientôt parce qu'une fois qu'on aura installé Environmental Tech, on va avoir quand même plein de ressources et on sera peinard avec ça. Hop, tu m'en fais 20. Il me faut des Advanced, des Engineer et des Purs. Alors, fais voir. Pur. Pur Quartz, évidemment, tu veux pas. Oh, que du Pur Quartz en plus. Hein. Et il faut que je balance. Ah, et pour la voir, en fait, il faut vraiment que j'ai le Nether Seed Quartz. Est-ce que j'en ai besoin pour d'autres choses, ça? Non, à part ça. Et le Genetic Processor, je vais en avoir besoin pour toutes les machines. Donc je vais automatiser directement la récolte du pur. Tiens, je suis en train de me demander. Vu qu'avec avec 8 pur Nether Quartz Crystal, on peut avoir un bloc. J'ai envie de tester un truc. J'ai envie de tester un truc. Ouais, le Rainbow Generator fonctionne seulement si tous les autres générateurs fonctionnent. C'est exactement ça, ouais. Je vais quand même automatiser le Quartz... Le Quartz Seed. Ah, c'est du Crush. My bad. Du coup, il va falloir Crush d'abord le Quartz.
Hop là, il y a tellement de loot chest à ouvrir maintenant. Merci Amu. Crush Quartz. Les processeurs, je les ai automatisés en dessous. Juste ici. Je lui dis, pour faire un logique, tu vas mettre juste un gold ingot. Boum, il va le mettre ici et il va automatiquement le crafter. Et que je l'extrais tout de suite ici. Là-bas, pour les autres, c'est différent. Là-bas, je lui dis, tu me prends un printed silicone qu'on a automatisé de la même façon que l'or. Un printed logic circuit que tu as vu comment faire. Plus de la redstone. Et il les met automatiquement correctement dans les Advanced Inscriber. Mais c'est les Advanced Inscriber qui me permettent de les automatiser très facilement. Sinon, c'est un peu plus chiant à faire quand même. Donc ça va me donner un Crush Quartz. Et le Crush Quartz plus Sand. Là, ça va me donner le Seed. Voilà. Juste... Et ça, il faut que je balance dans l'enrichissement chamber. Ouais, un inscriber par plate et c'est bon. Comme ça, on est tranquille. Donc, on a du pur. Il peut apprendre à faire du pur, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je lui donne un. Comme ça, non. Je voulais voir s'il allait me sortir le bloc. Parce que s'il me sortait le bloc, on pouvait récupérer autant de pur qu'on voulait. Hein. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Donc ça, tu vas m'en crafter un. Et un de seed. Je pense même que je vais dire deux. Ça m'en donne deux. Voilà, le craft sera comme ça. On va mettre ça dans l'enrichissement chamber. Bonne nuit à toi, Sictor. Sictor, pardon. Salut le pranker fou. On va demander les 6. Tac, tac, on ouvrira ça après. Et il nous faut ça. Tac, je sais pas pourquoi j'en ai recrafté autant, mais c'est pas grave. Pearl. Pouf. Il me faut... Touk, touk, touk. Génétique processeur, je vais lui apprendre directement, comme ça on va pas se prendre la tête. Voilà. Plutôt que d'essayer de le crafter à la mano, là. Applied va faire le taf. Go. Ça va le faire rapidement, ça. Une fois qu'on a ça, il faut... Bah, de toute façon, je vais automatiser également les Draconic Core, comme ça ce sera fait pour plus tard également. On va pas perdre de temps. Si je fais ça, non. Le plutonium, je ne l'ai pas automatisé encore, mais ce sera une chose de faite parce qu'il faut que je retravaille ce qu'on a derrière. Draconium bloc, ouais, bah ça, à la rigueur, voilà, tu sais faire les blocs, mais tu vas pas pouvoir le faire tout de suite. Hein. Voilà, il faudra qu'on aille dans l'end pour chercher du draconium rapidement. Et ça. Ok. Très bien. Donc là, si je lui demande un draconium, il va me dire exact... Non, pas 1000. Juste un. C'est le draconium ingot qui nous manque. Hein. Donc on va essayer d'aller dans l'end, mais avant, il va me falloir un dislocator pour refaire mon warp au niveau de... Ah bah tiens, il est là. Je pensais pas qu'il le gardait dedans. Bah écoutez, très bien. Ça me facilite la vie. Go. Petit coucou à toi, je regarderai la rediffusion. Bonne rediffusion, Cyrillon. Et merci d'être passé. ML fait l'acide, comme ça tu tryhardes. Et ça sert. C'est vrai que je pourrais faire l'acide. Je vais d'abord essayer de voir si je peux trouver un petit peu de draconium dans la zone. Mais ouais, l'acide, ça va être une idée à faire aussi, hein. Mmh.
Il n'y a absolument pas de draconium, hein. Fais voir. Il me faut quand même beaucoup de draconium avant, de base. Hein. Mars, quelle peur. Ah ouais, je peux pas le trouver dans l'end en fait. Je peux pas trouver le draconium dans l'end. Est-ce qu'il y aurait un moyen de l'avoir d'une autre manière, le Deep Dark? Dans le Deep Dark, il y en a du... Ok, le Deep Dark, on l'a, on pourrait y aller. Twilight Forest. Écoutez, on va aller en chercher dans le Deep Dark. Hein. Elle est où ma plateforme? Ma plateforme. Elle est où? Elle est là. Ok. Ouais, on va utiliser le... pas le Builder Block, mais le Digital Miner. Ok. Digital Miner. Cell. Advanced Cell. Wow. Ouais, c'est bon. Hop, un Power Cell Card. On le link. On descend. Allez, voilà, merci. Et on va se diriger... Alors, dans le Nether, apparemment, ouais, vous me dites qu'il y en a. J'ai pas fait gaffe. Je vais revérifier. Tac, Nether. Mercure. Non, il y en a pas dans le Nether. Il y en a pas dans le Nether. Par contre, il y en a dans le Deep Dark. Ouais, Environmental Tech devrait m'en fournir, mais pour l'instant, je peux pas encore y aller. Parce qu'Environmental Tech me demande quand même pas mal de craft à faire. Hein. Alors, on va aller plus bas, plus loin. D'ailleurs, il faudrait que j'enlève le... ça. Voilà. Pas besoin de tourner tout seul ici. D'ailleurs, que je te montre Environmental Tech, d'ailleurs. Environmental... Voilà. Il me faudrait le Void Ore Miner. Ok. Donc pour ça, il va me falloir bloc de diamant, ça va. Literite. C'est quand même assez chiant de l'avoir, le Literite, parce que pour l'avoir, il faut qu'on ait du Terrestrial Artifact avec du Molten Enderium, et ça, c'est tout ça. Donc déjà, à partir de là, ça coûte un peu cheros. Oups. Clic. Interconnecteur. Interconnected, pardon, ça coûte pas trop cher, hein. C'est du black concrete, donc black concrete, voilà, easy. Connector, ça me demande quand même des blocs de tin, aluminium brass, signalium, donc c'est pas donné non plus. La diode, qui est quand même assez bâtarde, parce qu'il me demande la machine frame, qui est très chiant à faire. Le mana infuse gear, donc il faut qu'on automatise d'abord la récolte du mithril. L'empowered void crystal. Qui lui me demande des items un peu chiants, notamment le Black Iron. Black Iron qui se craft pouf, avec de l'Invar et du HOP Graphite ou du Graphite. Voilà. Et enfin l'Iridium. Voilà un petit peu pour Environmental Tech. On n'y est pas encore. Bonsoir à Still No Game. J'espère que tu vas bien. Alors on va se diriger assez loin, je sais que la nuit va me faire du mal. Mais on se dirige assez loin, on va se mettre genre là. On est très bien ici. Hein. Voilà. Donc, Digital Miner, non, tu veux pas le poser en mode YOLO? On va te faire de la place alors. C'est bon, t'es content?
Ouais, il est content. Ok. Tac, la selle, boom, out. Il sera full énergie. Config. Art Dictionary, on va le changer, on va marquer Art Draconium. Save. Il trouve pas. Art Draconium, pourtant je l'ai bien écrit. Ça a l'air d'être ok. On a trouvé 12. Bah oui, c'est bon, il en trouve. Tu as fait toutes les gates? Non, pas encore. Bah écoute, ça va, Still No Game, ça va. Oublie pas le waypoint. Normalement, je devrais pouvoir m'en sortir pour retrouver le chemin, mais c'est vrai que pour le coup, je l'ai pas fait. Il faudrait que je le fasse. J'en ai pas fait d'ailleurs. Non, j'en ai pas fait. Mais c'est par là-bas. C'est sympa tous les cristaux de Tom Craft là-dedans. Ok, et du coup ça va se transformer en dust. Est-ce qu'il y a moyen de quadrupler, quintupler le bordel, sans passer par mécanisme bien sûr. Peut-être là-dedans. Non, ça vous donne 3. Oh. Oh, le sag 1000, il est beau. Hein. Mais bon, je pense qu'on va passer... On va passer autrement. Ok, 12. Je récupère ça. Ok. On retourne un petit peu en arrière. Hop, c'est ici qu'on était tout à l'heure. Je crois qu'ici, il n'en trouvera pas parce qu'il a déjà fait des recherches ici. Je vais quand même regarder, mais... S'il en trouve 11. Ok, vas-y. On va le laisser récupérer. Et du coup, moi, la sortie, c'est là-haut. T'as le silk qui consomme et qui te sert à rien. Si, parce que si je le récupère directement tel quel, il va pas utiliser fortune pour récupérer le draconium or. Il va me donner directement de la poudre. Il me semble, hein. Puis après, ça consomme, ouais, mais j'ai beaucoup d'énergie, donc ça va. Merci, Red Neo, pour ton host de 24 viewers. Bienvenue à tes copains, les bananes. Bienvenue à vous. Eh bien, et merci, Renéo. Merci. J'ai déjà dit merci. Merci. Merci, Renéo. C'est très gentil. Ok, ça devrait être bon. Mon digital miner, bien sûr, je ne veux pas le perdre. On va se mettre dans cette direction-là, direction sud. Bonjour, la sorcière. Oh, elle l'a échappé belle. Ouh. Tiens, on va être bien, là. Voilà. 14. Alors, on récupère juste un petit peu de draconium, hein. Salut les bananes! Alors, tu as passé 2 blocs de draconium dans Applied pour faire la graine. T'as pas assez de blocs, non. Non, non, non. Wow, out of range, c'est faux. Mais non, c'est faux. Si, c'est vrai en fait. Par contre, tu aurais pu dire merci à Red Neo quand même, t'as oublié. Ah, pardon. Red Neo, merci pour ton host. Et bienvenue aux viewers de Red Neo aussi. Ok, ça va être terminé. Et une fois qu'on a récupéré celui-ci, on n'oublie pas de remercier Red Neo pour son host très gentil. Salut, tu fais quoi? Je suis en train de récupérer... du draconium. Merci Ourex pour ton hébergeur, pour ton hébergement, pardon. Je vois pas combien de viewers tu m'héberges. Si c'est pas marqué, ça veut dire que c'est zéro ou non? Ah, merci quand même. Et merci à toutes les personnes d'ailleurs qui me hostent. Mais je vois pas en fin de compte. Ouais, bah, tout le monde me host maintenant, ça y est. Je vois le petit message dans le chat quand je vois les gens qui me hébergent. Donc merci à vous. Donc merci Ethan et merci Erwan. Ah oh, mais c'est vrai, mais... Oh, what? Pourquoi je suis là-haut? J'avais pas vu, mais Red Neo, il a le badge vérifié. Oh là là. Alors là... Là, messieurs, dames, je demande qu'on appelle Red Neo monsieur. Monsieur.
Merci Skyfighter 9 pour ton hébergement. Merci Saint-Jean-Baptou pour ton hébergement. Merci aussi Bideo d'ailleurs, mais ça sert à rien. Hein, parce que bon, Bideo, il a pas de viewers. Il est pas non plus. C'est pas un. Voilà, c'est pas un streamer vérifié par Twitch. Donc bon. On lui dit merci quand même, mais dans le fond, voilà, c'est un merci. Et ouais, il faut. Il fait ce qu'il peut. Bah oui, carrément. Et ML a-t-il le vérified? Oui. Et merci Megavolt également pour ton hébergement. C'est très gentil. Alors, le Draconium Or. Est-ce que j'ai le hammer là qui cuit direct? Je crois pas, hein. C'est le tuche. Normalement, j'ai une pioche avec fortune. C'est celle que j'ai. Tu les computers sur le modpack? Si oui, peux-tu augmenter le range digital? J'ai pas open. Peut-être qu'il y a le computer, j'ai pas fait gaffe. Oh, regardez tout ce draconium. Oh. Oh, ah ouais, le fortune il marche bien là. Là, le fortune il marche bien. Voilà pourquoi je voulais pas utiliser. Enfin, voilà pourquoi je voulais utiliser Sick Touch. Hein. C'est pour pouvoir avoir autant de draconium. Fed mine! Tout le draconium. Tout le draconium. Merci F pour les 8 bits. Bido Gamu, c'est juste un random qui traîne par moment pour récupérer de la vue chez les gens connus, non? C'est exactement ça, F. C'est exactement ça, F. Merci à Steel pour l'hébergement aussi. Du coup, tout ce draconium dust, on va le cuire. C'est le crushing, ça va pas, ça. Smelting. Zbrut. Du coup, on va voir si on peut faire la graine directe. Ça pourrait être stylé. Mais je crois que la graine, elle est tier 6, non? On enlève environnemental tech. Non, c'est tier 5. Oh, bah ça va, on va pouvoir la faire, cette graine. Ouais, normalement, j'ai de quoi faire la graine, normalement, là. Hein. Alors, essence. 320 insenium. Alors, ça veut dire que... Quatre blocs. Seed. Oups. Voilà. Hop. Ça, par contre, ouais. Je vais peut-être lui apprendre. Ouais, je vais le faire à la mano. On s'en fout. Merci Vidéo pour les 4 bits. Si je voulais des vues, j'irais chez des streamers qui font beaucoup de vues. C'est pas faux. C'est pas faux. Regarde la Awakened. La Awakened, je peux pas la faire. Parce que déjà, il me faut de la Awakened. Et il me faut tout ça. Donc non, pas tout de suite la Awakened. Hein. Mais... on pourra la faire plus tard. Seed. Ok. Seed. Ok. Seed. Ok. Seed. Ok. Seed. Nice. Il va me falloir des superium ingots. Je clique sur n'importe quoi, tout va bien. Donc il me faut des basses essences. 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est 4. Ouh, j'ai. Non, du Prosperity Charge, j'en ai plein. En vrai, j'en ai plein. Ah oui, donc de toute façon, il va m'en falloir. Prosperity Shard. Boum. 1, 2, 3, 4. Parfait. Essence. On recommence avec celui-là. Voilà. Hop. 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 Hop, hop, hop. Et enfin, tout ça. C'est absolument mal fait, mais c'est pas grave, ça fera le taf. Voilà. Tire au-dessus. Oh. On recommence. Attends, si je mets ça là-dedans et que je fais ça. 16, c'est pas assez, hein. Il m'en faut deux fois plus.
c'est un peu chiant, mais bon. Voilà, là c'est bon. Tac, tac. La souris qui se cogne contre le tapis de mon clavier, qui du coup, voilà, fait des bêtises. Clac, 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 clac. Ok, et là, il m'en faut. Je vais tout prendre. Oh, il m'en manque un. Voilà. Perfect. Ok. Ensuite, on recommence avec ça, Sbim. Allez, range tout ça, boum. On a les 8. Et maintenant, il va juste falloir que je récupère un petit peu plus de ça. Voilà. Ok. Draconium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il va nous falloir, je pense, ça. Ok, et une Nether Star, évidemment. Et je pense que c'est tout. Mais oui, on va pouvoir aller faire notre graine. Tu devrais apprendre ces crafts à Applied. Bah, vu que je vais pas en avoir besoin d'une tonne de ces crafts-là, je préfère pas lui apprendre tout de suite. Enfin, je préfère pas lui apprendre tout court. Parce que je m'en servirai probablement pas des masses. C'est vrai que je serais allé plus vite si je lui avais appris, mais bon. Ok. Voilà. Il y a un truc qui va pas. C'est ça qui va pas. Oh là 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 là. Voilà. Là, c'est bon. On va faire passer la nuit avec un item que j'ai pas sur moi. Qui n'est pas là non plus. Je l'ai pas ici. Ouvre les yeux. Non, il est pas là. Il est là. Je l'ai rangé là-dedans. J'aurais pas dû. Boom. Ok. Let's do this. Nether Star. Le champion qui pique chez Rockagogo. Le shampoing qui pique chez Rockagogo, pardon. Si MLG me l'autorise, je mettrai le lien. Tu peux, vas-y, tu peux y aller. Voilà, on a la graine de Draconium. Parfait. Du coup, cette graine-là, on va pouvoir la supprimer d'ici. Non. Tiens, je voulais pas. Tant pis, c'est souligné. On a fait la graine de Draconium. GG, merci F. Pouf. Dirt. Je voulais écrire dirt et vu que j'ai dit dirt, j'ai écrit dirt. Faut que j'arrête de dire des conneries. Ok. GG, well play. Merci. Est-ce que j'ai de la place ici? Oui, j'ai de la place ici. Pif, paf, pouf. Alors du coup, vu que c'est une nouvelle graine, il va falloir qu'on lui fasse un petit drover. Mais elle fatigue, ouais, ça va. Elle pousse sur de la dirt, ouais. Ouais, ouais, elle pousse sur de la dirt. Par contre, l'Awakened Draconium Seeds, elle est obligée de pousser sur un Awakened Draconium Crux, donc sur de la terre. Alors, Basic Drawer, on va prendre ça. J'ai pas fait les upgrades pour les autres, là. Upgrade. On va te mettre là. Hop. Attention! Oui! Donc on en a que 3. Hein. Pour l'instant, on en a que 3 et plus tard, je les mettrai full. Parce que je crois que là, il n'y en aura plus qui vont rentrer dedans. Elle pousse sur de la dirt, oui. Sur de la dirt. La dirt. Ok, revenons sur nos générateurs. Voilà. Ce qui nous intéressait à faire, c'était ça. Donc, Draconium. Tu peux en faire un Draconium. Parfait. Est-ce que c'est une quête, d'ailleurs? Ah ah! On a ouvert la gate de Draconic Evolution. Bon, je pense pas qu'on ira bien loin dans la quête de Draconic Evolution, mais bon. On a ouvert la porte. Donc, on va prendre le loot chest ici. Et du coup, Draconic Evolution, ouais.
ça, detect, claim. Ok, bon, ce sera pas pour tout de suite Draconic Evolution, je vous préviens. Hein. Oh, bah ça c'est fait, écoute, très bien. Vu que c'est vrai que j'avais tué le dragon. Très bien, parfait. Salut Loli Trolli, non, j'ai pas encore vu le film. Plus que 3 gates, exactement. Merci pour les 20 bits, Sauveur AD. Bonsoir, monsieur ML, petit coucou, je spoil, je me spoil pas. Rediff, bonne soirée, merci, bon Rediff à toi, Over AD. Ok. J'ai récupéré des Draconic Core en plus, donc c'est magnifique. Donc là, j'en ai 3. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est ça. Pouf, générateur. Pour pouvoir faire ça. Donc là, par contre, le Enhanced Ender Ingot, il va nous falloir l'Ender Crafting. Ah oui, 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 oui. Il y a un truc qui colmate pas, là. C'est ça. Voilà, Ender Ingot. Pif, paf, pouf. Il nous en faut un. Non, Blaise Powder, il connaît pas. Oh. Mauvais. Ok. Alors, revenons là-dessus, là-dessus, là-dessus et sur ça. Pouf. Pouf. Ok. Ça, on va l'installer là pour l'instant. Si mes souvenirs sont bons, c'est comme le QED, donc ça va se faire comme ça. Hein. Je pense bien. Voilà. Je sais pas si ça sert à quelque chose de le mettre au-dessus, mais vu que j'en ai, j'en mets au-dessus. Non. Ok, et là-dedans, je fais le craft. Ok. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est des Ender Ingots avec l'Ender Star. Et l'Ender Star se fait avec Nether Star et Eye of Ender. Et Offender, j'en ai plus. Ok. Star. Je vais en faire 15. Oh non, ouais, si, 15. Ça ira bien. Ok. C'est pas comme le QED. Est-ce qu'il faut un signal redstone ? Non. Ah, le drawer est pas lock, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bien vu. Merci du coup pour le bits. Hop là. Donc c'est pas du tout comme le QED. Je pensais. Est-ce qu'il faut qu'il ait plus d'espace? Si je mets pas le craft correctement, il va clairement pas se crafter le truc. Voilà, c'est comme un QED. Ok. C'est pas le bon craft. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 oui. Je veux aller trop vite parce que je regarde le temps et je me dis, oulala, j'ai plus beaucoup de temps. Finalement, je devrais peut-être essayer de respirer et de souffler là. Voilà. Donc oui, 15. Alors, en fait, il me reset à chaque fois le craft quand je lui mets les trucs dedans. Peut-être qu'il fait les 15 d'un coup aussi. Bah là, pour le coup, 11 parce que je les ai mal mis. Oui, je viens de voir que j'ai mal posé. D'ailleurs, contrairement au QED, je me demande si lui, il est... on peut l'automatiser. On verra plus tard. Ouf. Alors, est-ce qu'ils ont fait 11 d'un coup ou c'est juste pour 1, là? Parce que là, il met quand même du temps. Waouh. Merci Kevin Milano pour les 10 bits. C'est mieux comme ça, effectivement, c'est mieux comme ça. Salut à toi, Sul4. Rajoute des piliers, ouais, il faudrait que j'ajoute des piliers.
J'ai oublié une quête. Oui. Oui, oui, oui. Hop. Je l'ai récupéré dans un truc. Je ne sais plus comment, mais... Voilà, je prends. C'est cool. Avant de couper le live, on va avoir des trucs à ouvrir. Ça aussi, je l'ai eu. Mais oui, je l'ai eu. Même pas besoin de le crafter. Easy, ce mode. Les doigts dans le nez. Easy. Non, ça, par contre, faut pas abuser. Ça, je l'ai clairement pas. Ah, c'est déjà pas mal. Alors, t'en as fait deux, là? T'en as fait trois. Très bien. Arrête-toi. Allez, go. Recommence. Aïe. Ouais, il faut que j'attende les crafts de ça. Hein. Oh, c'est long. Et du coup, on pourra se crafter le Nether Star Generator. Ouvre les loot chests. Attends. Regarde, il reste 7 minutes. Normalement, on a le temps. Un craft donne 4 ingots. C'est vrai? Ah oui. Très bien, bah, ça va être bon. Pouf. Du coup, ça, je suppose qu'on en a besoin pour ça, effectivement. Donc, il va falloir qu'on regarde si on peut automatiser ça, un de ces quatre. Hein. Alors, le Nether Star Générateur, bim. Voilà. On peut le ranger, on peut se tenter celui-ci. Voilà. On peut se tenter celui-là. Oh, 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 magmatique. Oh. Ça pique. Non. Oui. Hey. Non, pas le Frosty. Mais qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Ah. Fuck you. Ok, hop, 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 voilà, voilà, très bien. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là, j'espère que ce stream vous aura plu, merci, et à bientôt, au revoir. Ah, faut que j'appuie sur le bouton, attends, j'enlève ma tasse. Non, on va ouvrir les loot chests quand même, on va pas déconner. ML, tes loot chests. Square, Serrated Brick, de la poutine. Si Mexpert Band était là, oh là là, il serait joie. De la poutine, les gars. De la poutine. Spécialité du Québec, c'est trop bon. Damage Trap. Ouais, tout ça, ça nous intéresse pas. Eh, mais sa poutine. Mais c'est trop bon. C'est trop bon, la poutine. Grass Block. Tu peux me donner autre chose que ça, quoi. Voilà, ça, c'est quand même mieux, mais bon. Anti-Block Lime. Ok. Ça va. BLT. Dragon Fruit Sapling. Je peux les acheter, les saplings, donc bon. Builder. Ça, c'est pas mal. Spaghetti and Meatballs. Poutine encore. Ouh là là. Unsaid. Building Guide. Ça, c'est vraiment cool comme item. Dislocator. Cooking Table. Mana Dust, ça c'est génial. Et Light Blue Concrete. Bon, bah, on n'a pas récupéré des trucs super ouf. Hein. Mais il y a des choses sympas quand même qu'on a récupéré. Il y a des choses sympas. Donc ça, j'aimerais quand même très rapidement, parce qu'il n'est pas encore minuit, regarder si je peux insérer des items à l'intérieur. Chest. Mais je pense pas parce que... Chest, s'il te plaît. Voilà. Il l'a jeté par terre. Parce que de toute façon, il faut qu'il soit inséré ici. Hein. Ouais, ça s'insère pas là-dedans. J'aimerais quand même regarder si on peut le faire passer par en dessous, mais... Non, il se connecte pas, ok. Donc ça, c'est des crafts qu'il va falloir qu'on fasse à la main. Oh, c'est chiant. De toute façon, on va pas le mettre ici, ce truc-là. Il faudrait que je me fasse beaucoup plus d'Ender Alternator, là. Et on verra ce qu'on en fera. Pour ça, pour le coup, je vais les garder sur moi. On va les garder ici, et on saura qu'il faudra qu'on s'en occupe plus tard. Hein. Du coup, Seed Oil, tu en es où? Bon, ça va, hein.
Ça va, ça va. De toute façon, je peux regarder ici, tu me diras. On a 27 buckets. C'est pas mal. Finalement, je voulais qu'on fasse une ferme à mob avant de couper le live, mais on n'a pas eu le temps. Mais Ender Eye sur pilier. C'est vrai, ça? Attends. Bah non! Ah là, voilà, voilà. J'ai perdu un Ender Eye. Bravo. Bravo. Il a ruiné mon let's play, ruiné. Comment je le récupère maintenant, mon Ender Eye? Putain, je suis dégoûté. Eh, j'ai rangé mes piliers. Oh. Je récupère ça. Voilà, tant pis. Et un pattern à poser, donc pour l'auto, ça va être un peu galère. Ouais, bien ce qui me semblait. Il doit y avoir moyen d'automatiser le QED si le modeur a dit qu'il fallait tout automatiser dans le modpack. C'est pas bête. On va re-regarder une dernière fois comment crafter ça. Mais je crois que ça, on peut vraiment pas l'automatiser. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut juste que j'arrive à la mano, boum, j'en mets plein. Vu le temps que ça met pour crafter, même si j'en mets plusieurs, ça prendra quand même un peu de temps. Hein. A plus tard, Vivey. Phantom Face. Phantom Face, ça peut peut-être marcher, mais le problème, c'est qu'il le mettra pas dans les patterns correspondants, en fait. Enfin, bref. Si ça, il faudrait que je le... Attends, c'est quoi? C'est du drum essence? Ah, j'ai viré le truc ici. Bon, c'est pas grave, je le laisse là. Continue de fonctionner, c'est bien, c'est bien. Ça tourne tout seul, c'est nickel. Je vais enlever tout ça, d'ailleurs. Ah oui, c'est full, ça. Pose un stack et laisse tourner la nuit. Je le ferai sûrement une autre fois, mais c'est comme ça qu'on va devoir le faire marcher de toute façon celui-là. Hein. Allez, voilà, c'est bon. Regardez-moi cette pioche, c'est du grand n'importe quoi. Ok. Ok. Architecture. Architecte, Sawbench, on s'en servira pour faire des arches dans la base, clairement. Et bah, je pense que c'est tout au niveau des quêtes. Hein. Bon, Extra Utility, on a bien avancé, ça c'est cool. Prochainement, je pense qu'on essaiera d'avancer un petit peu Mechanism, parce qu'on pourrait peut-être aller aux élites tiers. Mais bon, ça, on verra pour la prochaine fois. Donc moi, je vais vous laisser là pour ce live. Enfin, je vais vous laisser là, ça dépend de vous. Parce que je vais vous envoyer chez Bideo et je vais être en vocal avec Bideo. Parce qu'on va jouer sur Ragnablock juste après. Donc je vais juste... le temps que je monte certaines de mes vidéos, je serai déjà en vocal avec Bideo, je pense. Mais du coup, on va aller chercher le stream de Bideo, s'il l'a lancé, Bideo, son stream. Est-ce qu'il a fait le streamer pro? Est-ce qu'il a lancé son stream? On va voir. On va voir. Mais non, et puis par contre, moi, je fais le kéké, je clique sur n'importe quoi. Bonne nuit, du coup, à ceux qui vont se coucher. Ouais, c'est bon, il a lancé son stream, donc je vais vous envoyer chez lui. Chez lui. Merci d'avoir regardé le stream, les amis. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour la suite d'Enigmatica 2 en mode expert. Sinon, je vous donne rendez-vous lundi à 14h pour une nouvelle série Minecraft qui va commencer en multi. Je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Mais j'espère que vous serez au rendez-vous, en tout cas mercredi soir. Et si vous avez le temps lundi, n'hésitez pas. Il y aura une rediff. Il y aura une rediff. Sur ce, bye.